Ah oui, ça y est, on les voit. C'est bon? Comme vous êtes jolie. Merci. Il s'est fait beau. Vous vous êtes fait tellement, tellement beau et moi je suis tellement défraîchie. Alors, on va juste reprendre Dryad qui n'est pas Dryad du coup. Oh, laisse, c'est un hommage. Dryad Sgan, je vais mettre. Hop. Le Sgan de Dryad. Hop, et moi je me mets là. Tac. Je suis en partage d'écran avec vous là ? Non. Non, non, il y a le stream. Pourquoi ça bug ? Il y a ça. Voilà, c'est bon. Ouh ! Oui ! J'ai fait une. C'est mes. Alors, je vous réexplique. Je crois que tu nous as échangé avec TNT. Ah oui ! C'est parce que. Bah, ça va, c'est presque pareil. C'est presque. Oui. Easy. Des petits dessins. Oui, voilà, faites tous des petits dessins, on va pas se fâcher. Hein. Oh là là. Non, 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 évitons, évitons, s'il vous plaît. Les petits Mickey. Oh là. Ok, on est bon. Donc, moi, aujourd'hui. Salut Jean-René Gadrad. Jean-René Gérard. Je vais y arriver. Un jour, j'y arriverai. Le créneau créa, vous commencez à savoir comment ça marche. C'est le troisième créneau créa du live. Ça veut dire qu'on approche tout doucement de la fin. Il me reste 2 heures de créa. Après, on fait 1 heure de chanson. Et après, on fait la clôture. Donc, ça va être vraiment le moment de rush. Je vous rappelle qu'on veut atteindre les 3500 euros qu'on n'a pas atteint. Je vais changer tout de suite la cagnotte pour que vous ayez la bonne cagnotte. Hop. Qui s'affiche, c'est-à-dire celle directement extraite de la page de collecte du formulaire. Du coup, ça sera pas jaune, joli, avec la bonne police et tout, mais je pense que vous préférez avoir les bons chiffres un peu moins classe qu'un chiffre moche potentiellement erroné. Hop. Ça va me demander une petite manip. Pendant ce temps-là, on peut écouter éventuellement les filles qui vont nous parler de ce qu'elles font. N'est-ce pas, Sgan? Oui, bien sûr. Normalement, c'était le créneau fille créa, là, mais bon. Non, mais bon, du coup, je sais pas, on peut commencer. Enfin, racontez-nous, quoi. Ouais, Red. Alors, bon, bah, moi, ce que je fais. Vas-y, tu fais quoi? Du monsterumting. Hein, mon truc dégueulasse, ça s'est affiché sur tous les écrans, là. Oui, la réponse est oui. Oui. Donc il faut que je fasse ça. Mais allez-y, je commence mon truc. Je croyais que j'avais un problème sur mon écran, mais non. Non, 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 c'est chez moi. Tout va bien. Hop. Ok, et si je fais ça, c'est bon, ça disparaît, très bien. Donc là, normalement, vous ne l'avez plus. Pourquoi tout le reste de l'interface se barre? On peut savoir. Du coup, on voit l'Inria qui se couche. Mais oui. Bonne nuit, l'Inria. Bonne nuit, l'Inria. C'est les aléas du direct. Voilà, c'est caché. Ok. Hop. Hop. C'est un don. Merci, ça m'encourage. Faites des dons pour me consoler. J'en peux plus. Christwald Wendy, merci pour les 10 euros, Christwald Wendy. On est sur vraiment la dernière ligne droite et ça continue de bugger dans tous les sens. D'habitude, c'est le genre d'emmerde qu'on a en début de live, là. Et là, le début de live était tellement smooth. On s'est dit, putain, on commence à devenir vraiment pro, hein. On est bon, là. Tu parles, Charles ? Bref. Il y a des problèmes techniques que tu ne peux pas anticiper et en plus qui ne sont pas de ton ressort, donc te prends ça. Pas la tête. Enfin... Non, non, on n'y peut rien, mais c'est frustrant. Tu sais, c'est le fameux « mais ça marchait hier !» Pourquoi ça ne veut plus marcher aujourd'hui? Quoi, le bruit? Moi, je dis ça, je dis rien, mais t'as oublié d'appuyer sur les machins. Alors non. Bon, t'as pas appuyé, oui, hein. C'est vrai. C'est vrai. Donc techniquement, t'es censé faire des pompes. Hein. Oui. Alors on va les noter. On va les noter de côté et je les ferai après quand j'aurai réglé ce problème.
La pauvre, elle est en pleine gestion de problèmes et de crise. Non, mais il y en a qui perdent pas le nord. Je vois bien qu'il y en a qui acceptent mes invitations juste pour pouvoir m'enfoncer. Bon, alors, attends, pour la peine, je vous remets les montants. Et sachez que pour 25 euros, il y a aussi l'INRIA qui fait la boîte à meux. Hein, avec moi qui fait le poirier derrière. Non, elle dort. Je sais. Bon, je pense qu'on la réveille pour faire la boîte à meux. Non? Elle est tellement évidemment. Sadique. Évidemment. Et après, elle s'étonne, quoi. Ah voilà, c'est bon. J'ai retrouvé. Ah. La boîte à meurtre. On est d'accord que là, vous avez un écran normal. Ouais. Genre, il n'y a pas du bordel qui s'affiche, genre des identifiants que vous devriez pas voir. Au hasard. Ok. Tac. Il revient, elle fera toutes ses boîtes à meux en retard, ça marche. C'est vrai qu'un combo de boîtes à meux, ça pourrait être pas mal. Ah ouais. Bah ça. Le seul truc, c'est que du coup, ça fait un poirier vachement plus long. Mais je pense que je vais monter, descendre, monter, descendre. C'est très bon pour la tête. Hein. Ça, franchement, c'est arrivé au moment où je commençais à avoir une espèce de baisse de pression dans le cerveau. Et le poirier, ça a bien marché. Je crois que je vais me le garder. Pour les prochains lives, 24 heures, vers 6-7 heures du matin, faire le poirier, vraisemblablement, c'est pro tips. Pourquoi ça marche pas? S'il te plaît, fonctionne. Qu'est-ce qui marche pas en fait? La cagnotte. La cagnotte, ouais, de Eloasso. Là. C'est parce qu'il y a eu, y a pas assez de dons, en fait, du coup, le site d'Elo Asso. Mais grave. Pas assez d'énergie pour faire fonctionner la cagnotte, c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas d'autre explication, il faut faire des dons. Il faut en faire plus. Mm. Plus, s'il vous plaît, plus, franchement. Faites un effort. Ou un gros, c'est comme vous voulez. Bon alors, qu'est-ce que vous faites, les filles? La coque ou la mette, c'est pour fatiguer le perrier. Bah bravo. On est revenu à des horaires où on ne peut pas dire des bêtises du genre. Hein. Alors, normalement, le thème, c'était colibri pour tout le monde. Mais quelle est la technique? Alors, en plus, on a un peu de tout. C'est l'avantage de nos créneaux créa. Mais je vous laisse meubler parce que moi, je suis occupée. Et Sgan fait très bien ça. Il va faire l'animateur. Bonjour à tous, c'est Sgan. Alors, qu'est-ce que vous faites? Alors, réponds là. Par Chicken Tear. Qui est occupé à faire un truc secret là, vas-y. Vas-y, vas-y, 2 secondes. Ça me dérange pas de meubler, mais 2 secondes. Vas-y, attaque sur Alice. Alors, Red Alice, qu'est-ce que tu es en train de créer? On dirait un médaillon, Eshtor. Oui, tout à fait. Alors en fait, bon, sur un créneau de 2 heures, c'était un petit peu compliqué pour moi de faire un projet complet. Donc je me suis un petit peu avancée. J'ai fait la partie sculpture en bas-relief vendredi. Pour les personnes qui m'auraient suivi. Et donc, j'en profite avec vous de mettre en couleur ce colibri. Donc, j'ai prévu plein de magnifiques couleurs parce que de la couleur, c'est la vie. C'est être positif. Donc, on va lui mettre plein de couleurs. Et donc là, je suis sur la partie peinture. Voilà. Et c'est quoi comme matière que tu utilises pour le médaillon? De la pâte polymère, c'est la même que MP Gautheron à... Gautheron? Gautheron, je sais pas. Gautheron. Gautheron. cité tout à l'heure, c'est de la super sculptée. Et donc je l'ai cuit et je l'ai sous-couché. Ouais. Voilà, comme ça, t'as plus qu'à t'amuser à faire la couleur. Voilà, tout à fait. C'est la partie facile. Il faut utiliser quoi pour peindre là-dessus? Là, je suis avec de la peinture acrylique. Attends, moi j'ai une vraie question. D'accord. Est-ce que tu sous-couches quand tu fais ça? C'était une vraie question, voyons madame. Alors, je sous-couche pas forcément tous mes projets, dans le sens où ça s'accroche très bien sur la pâte polymère, sur tout du moins sur la super sculptée. Je sous-couche généralement en blanc quand j'ai besoin d'avoir un fond uni, et surtout que je veux, quand j'ai pour projet, de mettre des couleurs claires, parce que par exemple, tout ce qui est jaune, orange, rose ou même blanc, si j'ai pas un fond déjà en sous-couche, il y a le gris de la pâte, parce que la pâte est gris, attendez, je vais vous montrer, elle est gris comme ça. Du coup, il y a le gris qui ressort en fait en dessous, et c'est très très compliqué d'avoir un blanc très propre ou un jaune, enfin toutes ces couleurs claires. Donc du coup là, oui, effectivement, je sous-couche avec une bombe exprès quoi. Mmh. Voilà. D'accord. Et t'achètes un produit exprès, tu le fais pas avec de la peinture blanche tout simplement? Ouais, non, je le fais avec un produit exprès, effectivement, en bombe. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus rapide que de passer avec les pinceaux. Et surtout, j'évite de me faire des traces de coups de pinceau là. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Mais...
les fameux. J'ai été reposée 5 minutes à partir de 8... J'ai été reposée 5 minutes à partir de 8 heures. Ah oui, bah re, les lois. Surprise. Surprise. Merci, Chicken. Et je ne suis pas surprise, regarde. Bravo, ah, Chicken. Alors, j'ai réglé le problème. Par contre, je vois qu'il se met pas à jour. Donc, ça veut dire qu'à chaque don, il va falloir que j'actualise la page. Voilà. Donc, ça va me faire deux trucs à penser à faire. Mais c'est pas grave, je n'ai peur de rien. Je suis capable de le faire. Et ça m'occupera, parce que après tout, on s'ennuie dans ce live 24 heures, j'ai pas assez de choses à faire. D'accord. On sent les pleurs dans ma voix ou pas? Allez, c'est bientôt fini, Kia. Mais je suis, en plus, je suis trop contente, j'avais trop hâte d'y être, et je suis trop contente de comment ça se passe, parce que ça se passe bien. Mais et je vais être trop triste quand ça va s'arrêter. Mais ça m'énerve quoi de se dire putain, on essaye de progresser d'une année sur l'autre et on progresse sur des trucs pour ne pas avancer sur d'autres qui restent des problèmes inhérents qui se répètent d'année en année et pour lesquels on n'a pas de solution. Ça m'énerve. Voilà. Ouais, ouais, mais là c'est pas de ta faute. Non, c'est pas de ma faute, mais c'est quand même chiant de pas avoir de solution d'année en année. Alors je réexplique, on a un pouette à 1 euro, on a un pouette à 5 euros, on a une petite clochette à 10 euros. On a une boîte à musique à 15 euros. Et on a... Marigori qui donne 10 euros. Hop, petit bruit de clochette. Merci Marigori. N'oublie pas les pompes que tu leur dois. Et je dois des pompes parce que figurez-vous que si jamais j'oublie de remercier les gens pour les dons, eh bien je suis obligée d'aller faire des pompes dédicacées à ces gens-là. Je crois qu'il y a eu deux dons du genre. Tout à l'heure. On va dire deux, c'est bien deux. Deux. Mais pour qui? Faut que je retrouve les noms. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait MP qui était dans le chat. Ouais, bon, désolé. Je suis dyslexique. Tarluf, salut Tarluf. Vous avez fait Don't Starve? Ah oui, Don't Starve, c'était cette nuit. De minuit à 2h du matin. C'était un sacré bordel. Mais c'était très drôle. En fait, non, on s'est beaucoup amusé parce qu'on s'est mis des debuffs. Ah oui, et pour 25 euros, j'agite le hochet. Ou alors l'INRIA fait une boîte à meux et moi je fais le pourrailler pendant ce temps-là. Ou alors le on pourrailler. Joue la comptine avec les yeux qui flippent. Attention. Je peux même pas essayer d'imiter parce que ça fait déconner mes lentilles. Dernier petit don. Courage, c'est la dernière ligne droite. Oh, merci Miala. C'est la dernière ligne droite, même pas tout à fait en vrai. Il est 15h, il faut que je tienne encore 4h. 4h? 4h. 4h, mais c'est le début de la fin. C'est le début de la fin, on approche de la fin. Merci beaucoup Miala. C'était 10 euros. J'ai failli me tromper. Attention, pas d'erreur. Ah, donc là j'en suis... C'était plus difficile que ce matin en vrai. Comment? C'était plus difficile pour toi que ce matin, là. Les, ah oui. Les clochettes, les cils, ah, les oui, ça. Ah oui, là c'est... Surtout avec les trucs à gérer là. Ah tiens, il faut que je rafraîchisse le cache. Pour que les montants soient exacts. 3064, ça monte tout doucement. Je rappelle que l'association a besoin de 3500 euros pour financer pendant une année complète un atelier Colibri dans une classe. C'est quand même pour ça qu'on est là. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je fais la zouave depuis 19h maintenant, 20h. Salut MP. Gros bisous. C'est pour ça que je fais le zouave depuis 20h maintenant, en direct sur vos écrans. Donc franchement, si vous avez quelques euros à mettre, et encore une fois, chaque euro compte, il ne s'agit pas de faire le plus gros don. Les, bien sûr, c'est génial ceux qui peuvent faire des gros dons, et heureusement qu'ils sont là. Mais les gros dons tout seuls, sans la somme de tout petits dons à 5, à 1, à 2 euros, ça ne fait pas autant. Et c'est surtout moins beau humainement. Le tout, c'est de donner à la hauteur qu'on peut donner. Ouais, faut pas se mettre ne dans s'oubliant la pas soi-même, mais surtout ouais. En n'oubliant pas de donner. Voilà. Donc moi, j'ai fini de fixer mes pattes tout à l'heure, à la fin du dernier live frère. On n'a même pas trop de retard. En fait, le maximum qu'on a eu, je pense, c'est 30-40 minutes. Mais comme on avait des créneaux qui étaient prévus pour faire tampon, ça va. Donc là, je récupère les pièces qui sont là.
Donc pour ceux qui arrivent en cours de route, je vous rappelle que le lot là que je suis en train de fabriquer, la maquette que je suis en train de fabriquer, qui est donc une maquette magnifique de licorne ailée, d'accord, et articulée en bois, 100% bois, ce kit, alors la licorne elle-même que je suis en train de faire va être à gagner, mais surtout le kit pour faire vous-même la licorne est aussi à gagner. Kron qui offre 30 euros, merci Kron pour ta générosité. Des gros bisous, merci, merci, merci. Alors pour 30 euros, je te fais... quel compo veux-tu? On peut faire 3 clochettes, on peut faire 2 boîtes à musique, on peut faire un hocher et un buzzer. Quelle est ta compo préférée, dis-moi, Kron. Voilà, j'ai plus d'argent. Merci. Je pense que cette licorne ne va jamais avancer à ce rythme. Bah écoute, 90 minutes, on m'avait annoncé. Ça tombe bien. Ça tombe bien, j'avais 6 heures de live créa à combler. Pour l'instant, je suis dans les temps. Hein. La boîte à musique. Allez, 2 tours de boîte à musique. Enfin, 2 tours. Un peu plus de tours de boîte à musique. Merci, Kron. Pourquoi est-ce qu'il y a tous ces streamers et ces streameuses à l'écran? Parce que quand je fais mes 24 heures caritatives, je n'aime pas streamer seule. Je trouve que c'est vachement plus cool de faire un truc en communauté. Du coup, j'invite plein de streamers et de streameuses vachement sympathiques qui se joignent à l'expérience avec plaisir, en général. En général, ils n'en tirent pas trop de déplaisir et qui réitèrent d'une année sur l'autre, ce qui fait que l'équipe grossit de plus en plus, ce qui fait que, bah, au départ, les créneaux créa, il y avait un créneau créa, on était 3. Et maintenant, j'ai 3 créneaux créa où on est entre 4 et 5. Alors, doucement, elle nous dit gentiment que là, on commence à lui... casser les pieds. Non, je suis ravie de vous avoir. C'est juste qu'au bout d'un moment, on fera des 48 heures. Et donc, j'irai faire une sieste. Parce que ça va plus être possible. Mais du coup, oui, c'est vraiment des moments super chouettes d'échanger avec les créas. Et en plus, ça me permet, moi, de tenir le coup. Parce que faire un live 24 heures pour faire un live 24 heures, c'est vraiment quelque chose dont je pense pas être capable. Donc, si je tiens le coup, c'est vraiment parce que c'est pour la bonne cause. Et tout à l'heure, par exemple, j'avais vraiment un gros coup de mou. Et le fait d'avoir les copains qui étaient en live qui me disaient « Allez, vas-y, ça va aller. » Puis les dons tombaient pas trop parce que c'était la nuit et que tous ceux qui étaient encore là, bah, c'était déjà ceux qui avaient beaucoup donné dans la journée. Donc ils avaient plus trop de sous. C'était difficile de leur réclamer des sous. Mais mine de rien, quand on fait un live caritatif, les moments de longue pause comme ça dans les dons, enfin, faut retrouver le mojo, vous voyez. C'est important de d'échelonner les dons. C'est aussi pour ça que je fais le principe des tombola, d'ailleurs. C'est parce que finalement, quand vous donnez un lot entre 2h et 5h, enfin quand vous donnez des sous entre 2h et 5h du matin, bah vu qu'il y a moins de gens qui donnent à ce moment-là, bah, vous avez plus de chances de gagner. Mais du coup, c'est donnant-donnant parce que moi, ça me rebooste quand vous donnez à cette heure-là. Et vous, vous avez plus de chances de gagner des lots parce qu'il y a moins de concurrence. Mais bon, a priori, vous donnez pas pour avoir des lots en échange. Mais ouais. C'est bien de mettre en avant des petits streamers. Oh, tu sais, je suis pas une grosse streameuse. Et hier soir, c'était plutôt des gros streamers qui venaient mettre en avant le live caritatif. L'objectif, c'est vraiment pas de la visibilité, ni pour... Enfin, je pense pas. En tout cas, j'essaye de pas inviter des gens qui viendraient juste pour la visibilité. Parce que on est vraiment pas là pour ça. On est là pour récolter des sous pour une asso. Et voilà. Et d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui me follow. Enfin, on en a vu hier, hein, qui arrivent, qui disent « Ah bah, je te follow depuis un an, tout rond. Ça doit être depuis ton dernier live caritatif. » Je dis « Oui, ça doit être ça. » Et qui sont parvenus, en fait, entre-temps, et qui viennent à chaque live caritatif, et qui viennent donner. Et ça me va très bien. Le but, c'est pas de faire des follow qui reviendront jamais. Le but, c'est qu'on récolte chaque année des sous pour une asso, chaque année différente, et chaque année absolument super. Donc, il y a les enfants qui arrivent, là. Ah oui, on entend des petits... On entend des petits enfants. Ouais, ça doit être Rose, ça, chez Sgan. Ouais, c'est Rose. Ouais. Rose qui vient participer au live créa depuis 5 ans. À peu près, depuis sa naissance. À peu près, ouais. On entend toujours un petit peu comme ça. Ouais. Ouais, ouais. Ça a l'air de la ravir, en tout cas. C'est... Ouais, elle est cool, Rose. Donc, c'est qui au micro? Ici, c'est moi. C'est qui réel? C'est aussi moi qui suis en train de bosser sur, du coup, la licorne. C'est ma chaîne, ici. Et tous les autres, c'est mes invités. Voilà. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est leurs overlays. Donc, si vous arrivez chez eux, vous trouverez les mêmes... vous devriez retrouver vos petits en termes de style graphique. Je vois mon chat. J'ai décroché les roulettes. Et on s'est amélioré. Où est-ce que je les ai mis? Là. Oui, quoi?
s'est amélioré par rapport à l'année dernière, parce que là, on a intégré nos overlays. C'est... Ouais, c'est ouais, ouais, clair. Franchement, non, mais on progresse. Il y, y a plein de trucs sur lesquels on progresse, mais du coup, c'est comme, tu sais, c'est comme toujours. Une fois que t'as fait un live qui marchait bien sur plein de points, tu dis, on va améliorer ça, ça et ça. Et la fois d'après, t'améliores ces trois trucs-là, mais il y a trois trucs qui marchaient l'année d'avant qui marchent plus. C'est hyper vexant. Mais bon, c'est pas grave, c'est les aléas du direct, c'est le jeu. Ma pauvre Lucette, comme disait l'autre. Alors, je me demande juste mes ailes, dans quel sens est-ce que je les clipse? Ça a l'air d'être comme ça. Donc là, je remets ça comme ça. Ah oui, alors, j'ai oublié de prévenir les gens qui vont streamer avec moi, que vu que c'est un créa où moi, je passe mon temps à enfourner des bitonios dans des, dans des machins, ça prête à confusion. Mais on a dit qu'on assumait. D'accord. Ça va. C'est, ça fait partie du charme de ce live maquette. Mais du coup, parfois, ça ne veut pas rentrer, on est obligé de lubrifier un peu avec de la cire. Mm-hmm. Parce que, en fait, c'est un truc sans colle ni ciseaux. Donc, tout est prédécoupé. Oh, je viens de trouver les outils. Ah bah. Mieux combien d'heures que t'es dessus? Ah bah, 5. Ça va, tranquille. Mais j'ai tout fait sans les outils. Donc là, c'était les outils dont j'avais besoin. On sait jamais, hein, on va les mettre de côté. Mais je pouvais pas savoir qu'ils allaient être sur la planche C, c'est pas du tout logique. Et comme la notice elle est en russe, non c'est faux, elle est en français, mais c'est juste que j'ai mis déjà 20 minutes à me rendre compte qu'elle était aussi en français et pas seulement en russe. Donc, je disais donc, c'est fourni avec la petite cordelette pour l'animation, parce que figurez-vous que quand on tourne la queue... Attends, que je casse pas tout. Là. Dans ce sens-là, quand on tourne la queue de la licorne... C'est une petite licorne de 3. Il y a un petit panier dans son bidou. On peut cacher des secrets dedans. Et hop, on la re-range. Ça fait tirelire ? C'est une petite licorne à secret. Quoi ? Tirelire ? Je pense qu'on peut faire une petite tirelire, ouais, avec. Mais faut pas être trop riche. Faut avoir beaucoup donné aux 24 heures. C'est pas un problème, ils vont tout donner, ils auront plus de sous. C'est ça, faut pas avoir trop de sous à mettre dans la kirlire, mais ça fait une bonne kirlire. Hop. Il y a un chic. Comment ça, un chic? Mais quoi? Bah oui. Coucou, Chalamèche. C'est moi, je crois, le chic. Ah oui, bah oui. Mais Chalamèche qui est présent et donne vaillamment depuis hier. Hein. Tac. Ah oui, y'a chic. Je sais pas pourquoi j'ai vu y'a un chic. Et comme dans dessous, il y avait toutes les emotes poulet. Ça m'a perturbée. Alors. Mais d'où, gros idée. Est-ce qu'on en parle du fait que depuis le loup-garou, je crie, je tire sur ma voix. Et le créneau d'après, c'est le karaoké. Est-ce que c'est un sujet qu'on peut aborder? Je pense qu'on va vous mettre dans le chat. La playlist. Du gamine, de la bonne humeur, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Donné pour les enfants. Oh, merci Sir Giz. 26 euros. Alors 26 euros, on va faire un coup de hochet. Et un coup de maillot. Vous avez tout compris, il faut faire des chiffres pas ronds du tout pour l'emmerder. Il en faut un peu plus, hein. 26. Sinon, il faut réclamer. Là. Sinon, il faut... Alors à partir de 25 euros, vous pouvez réclamer des boîtes à meux. On comptera les points des boîtes à meux. Et c'est l'INRIA qui fera les boîtes à meux. Mais après, sinon, vous pouvez annoter votre don si vous voulez plutôt 3 coups de clochette ou... Faut que je vous raconte une anecdote aussi. Dans les affaires que mes parents m'ont donné pour faire du bruit, là, parce que tout ça, ça arrive de chez mes parents, il y avait un sifflet. Et en fait, c'est le sifflet... Alors, pour ceux qui se demandent si effectivement j'ai fait ça au milieu de la nuit, oui. Si je m'entends toujours bien avec mes voisins, ça va, parce qu'on est très bien isolés en niveau sonore, donc ça va. Mais cette histoire de sifflet... Sachez que, en fait, ma mère, elle me dit « Ah bah c'est le sifflet de ton père pour quand on était sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Pour éloigner les chiens. » Donc je sors tout mon bordel, je commence à essayer les trucs pour repérer un peu les bruits que ça fait, les classer par prix et tout. Et je siffle dans le sifflet, et là j'ai le chat qui fait une espèce de bond et qui me fixe, genre en panique, en train de regarder comme ça, de chercher d'où venait le bruit et tout. J'ai fait... Alors celui-là, on va pas s'en servir, on va le ranger. Le sifflet, c'est non. Et en fait, il siffle pas très fort,
Mais du coup, ça fait un bruit, je pense que l'animal entend, en fait, et pas nous. Ouais, ça doit faire mal aux oreilles des animaux. Et ouais, et en fait, elle a paniqué, en fait. Je crois pas qu'elle ait eu mal, mais je pense qu'elle a eu très peur. Parce que c'est un bruit qu'elle a jamais entendu. Et que moi, comme il faisait pas beaucoup de bruit, j'ai forcé, tu vois. Genre j'étais là, mais, pff, oh, bah dis donc, il souffle pas très fort, parce que ça faisait genre un... Tu vois. Et en fait, je pense que pour elle, juste, ça l'a surpris de ouf. Comme quand t'allumes beaucoup trop fort la télé, et qu'il était en train de dormir tranquille à côté ton chat, quoi. Donc voilà, c'était la petite anecdote de ma pauvre petite choupette que j'ai traumatisée en début de live. Et Comet qui est venu lui faire des câlins parce que... En fait, j'ai explosé de rire, évidemment, parce que c'était juste trop comique. Pauvre petit chat paniqué, mais... Du coup, Comet, il arrive, il dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Je dis, bah, je crois que j'ai paniqué choupette. Et là, il voit sa tête et il vient lui faire des câlins. Il fait, non, mais t'inquiète pas, mon petit chat, et tout. Et moi, j'étais trop morte de rire pour réconforter mon propre chat, quoi. Comme une saleté que je suis. Mais bon, c'était drôle, quand même. Je comprends. C'était pas gentil, mais c'était drôle. Et donc, en fait, on était censé deviner... Alors, attendez, je vous montre. J'étais censée deviner qu'il y avait des outils ici, parce qu'il y a une petite boîte à outils dessinée là. Et ça, c'est l'outil de mesure. Ça, c'est l'outil pour faire je sais pas quoi. Bref. J'espère que j'en avais pas besoin avant. C'est juste ça. Je sais pas d'où ils étaient. Chalamèche. C'est tellement la classe, ce chicken avec ses lunettes, là. De quoi? Le chicken avec ses lunettes. Ton émote. Ah! Oui, c'est gentil de complimenter mes lunettes, mais quel est le rapport avec la choucroute? Pourquoi elle me parle de mes lunettes? D'accord. Je veux bien qu'elle est fatiguée, mais quand même. Bah, moi, je suis pas très bien réveillée, quoi. Ouais, mais ça va bien. C'est vrai que t'as bien bossé hier. En fait, chicken, elle a tenu la baraque hier pendant qu'on se faisait défoncer sur ton Starve. On s'est fait trucider en boucle avec... voilà, il faut... Celui-là, par exemple, il faut lubrifier, sinon je vais le casser. On s'est fait taper en boucle par des boss qui nous maltraitaient pendant que Bunny nous courait après pour nous raise. C'était assez... C'était drôle, mais c'était un peu la violence, quand même. Je sais pas si c'était très intéressant à voir pro player Don't Star, ouais, c'est ça. À part ça, c'est mon main game, hein, Don't Star. C'était rigolo. Ouais, j'aimerais bien rejouer dans d'autres conditions avec toi. Mmh. Ouais, il faut qu'on fasse des les lives. Les meilleures conditions. J'ai failli mettre un donation goal, live Don't Starve, genre toutes les semaines pendant un mois ou tous les mois pendant 6 mois, tu vois, un truc comme ça. Mais vu qu'on n'atteint pas les donation goals, de toute façon... Franchement, vous avez pas honte. je veux pas avoir l'air déçu, mais j'avais préparé des super donation goals. Je rappelle que à 5000 euros... Donc déjà, à 3000 euros, on fait un live lol. À 4000 euros... On sort un épisode de Je suis pas ta mère. Le 3e épisode en 3 ans. C'est quoi, Je suis pas ta mère? C'est une petite émission. Au moins, il y a 3 épisodes, c'est déjà bien. Il y a 2 épisodes, du coup. Ouais, mais il va y en avoir 3, j'y crois. Ouais, voilà, faut faire les 4000 euros. Ouais. Je suis pas ta mère, c'est une émission. C'est la seule émission quasiment que je produis uniquement pour YouTube. C'est voilà. Des petites vidéos. Fais des puzzles. Je fais un puzzle et en même temps, j'explique comment moi je construis ma vie autour d'un sujet. Le premier thème c'était, et en 5 minutes tu vois, en moins de 5 minutes j'explique mon rapport à tel sujet, comment j'ai été élevée, comment je vois la chose, etc. Le premier thème c'est sur l'argent et la générosité, allez le regarder. Il était très bien d'ailleurs. Moi j'ai bien aimé le faire aussi, ouais. Il était vraiment très intéressant. Alors qu'il n'y a que 5 minutes tu vois, mais je trouve que c'est cool. C'est juste le temps d'expliquer quoi, 2-3 idées principales. Vous streamez toute la journée et la nuit? Ouais, on pensait à une journée, c'est tout. Pendant les fêtes, normalement, de Noël, on n'aide pas les plus démunis. Notamment à Noël, on n'aide pas les plus démunis. Bah, on essaye au moins une journée, ouais. Une journée, une nuit, là, aux 24 heures, de penser à une asso, et je change d'asso tous les ans. Pour finir sur Je suis pas ta mère, c'est donc cette émission-là que je publie. Le deuxième thème, c'était sur l'hypocrisie et le mensonge. Moi aussi, je le trouve aussi très réussi. Mais c'est vrai que c'est des épisodes, en fait, il faut vraiment que je me pose pour les former comme j'ai envie, pour que ça ait vraiment la tête que je veux, parce que comme je sais que je vais pas aller revenir dessus, ou quasiment pas, éventuellement, on en parle en live, on fait des petits live débats, on va dire, de débrief, mais c'est pas du tout pareil que si on passait 3 heures à parler d'un même sujet. Donc je veux vraiment exprimer mon idée de façon la plus claire possible quand je fais ces vidéos-là.
dès 96. Et là, le troisième thème, je voulais faire sur le retard, mais j'étais... En fait, je suis inspirée, mais sans être inspirée, j'arrive pas à l'écrire, cet épisode. Donc, ça sera peut-être sur autre chose, voilà. Mais je réfléchis au sujet. Sachez que je réfléchis au sujet. Re, Sarah Fistol, merci pour le cheers, Mia. Mais alors, Miaou, il faut, si possible, aller donner plutôt sur le live, sur le formulaire, pardon. Et ou sur Utip, vous pouvez donner sur Utip. Je refresh les formulaires de dons. J'ai oublié, on est à 3120 euros. Merci beaucoup. T'as oublié tes pompes aussi. J'ai loupé. Comment ? Tes pompes ? On attend. Hein. Ouais, et j'en ai combien à faire ? T'as compté ou pas ? Non. Ah bah alors, tant pis, j'en fais pas. C'est bien que t'en fasses deux. Deux ? Je finis ce que je fais parce que j'aimerais bien la finir, la licorne, pour pouvoir la montrer. Au pire, je les ferai à la toute fin du live. Voilà. Tracasse. On aura bien l'occasion. Pompes, en fait. Mais ça rentre tellement pas. Comment on fait ? Je sais pas. Tu pousses. Pas facile, hein ? Faut pas forcer, hein. D96. Bah, un peu quand même, en fait. C'est ça, d'ailleurs, qui est perturbant, c'est que t'as pas envie de forcer, et en même temps, si tu forces pas, ça n'avance pas. T'es obligé de... Parce qu'en fait, c'est des genres de clips. Je vais vous montrer à l'écran. En fait, les trucs, ils sont en clips comme ça. Je me retiens, Sarah. Je me retiens. Voilà. Elle dit, c'est marrant de voir un stream avec Chicken qui parle pas beaucoup. Et du coup, ouais. Les clips, il faut les tasser dans le trou, quoi. Chicken se réveille encore. Bah déjà, elle s'est couchée tard parce qu'elle m'a tenu compagnie longtemps. Hier, c'était chouette. Et ensuite, elle m'a dit « Je vais faire attention à pas trop spammer. » Elle avait peur. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci. Que ici, ça parlait beaucoup aussi. Bah d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'elle fait. Chicken ne nous a pas dit. Allez, vas-y, Chicken. Dis-nous, c'est ton tour. J'ai fait un colibri. Voilà. Waouh. Waouh. Est-ce qu'on peut dire que c'est ton deuxième? C'est mon deuxième. Parce qu'il y en a déjà un qui est offert dans les lots. C'est un colibri aquarelle et encre en format A5. Et dans les lots de cette tombola là, donc si vous donnez 5 euros, il y a celui-là que j'ai fait pour le Inktober. Qui est en format aussi, 11 cm par 11 cm. Donc je vous montre la différence. Voilà. Voilà, il y a les deux. Avec un sachet de stylo. Ouais. Avec celui-là. Donc n'hésitez pas à donner votre argent pour avoir des lots. On s'est donné du mal à faire. Exclusivité. C'est ça. Que vous pourrez pas les avoir ailleurs. Ah non. Parce qu'une fois que quelqu'un l'aura, le colibri, ça sera pour personne d'autre. De quoi ? Je dis une fois que quelqu'un l'aura, le colibri, sera plus pour personne d'autre. Ah oui, non, c'est sûr. C'est un exemplaire unique. Bah, le tradi, c'est un peu compliqué de faire de la repro, quoi. Hein. Pas la même. Ah non, je me suis trompée de côté. Merde. Pardon, j'ai dit un gros mot. Zut. Donnez la tuile, s'il te plaît. J'y arrive toujours pas, moi. À quoi, Choco ? À donner ? C'est bizarre, il doit y avoir une erreur de ton côté. T'as revérifié le lien ? T'es sur téléphone, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Moi, hier, j'ai eu du mal à donner parce que je m'étais trompée juste de carte bleue. Parce que des fois, tu mets CB au lieu de mettre Visa et il faut mettre Visa, en fait. Donc, essaye avec peut-être en cliquant sur un autre bouton du type de carte bleue. J'ose pas le démonter parce que si je le démonte, je vais le défoncer. Du coup, tant pis. Il y en aura un à l'endroit et un à l'envers. Ça sera son petit charme à lui. Comme le bon roi d'Agobert. Il me reste une planche entière à faire. Hier, j'étais hyper sereine parce que j'étais persuadée qu'il y avait 3 planches dans la boîte. Et j'ai fait une planche en 2 heures. Et j'étais là, pouf, parfait. Je fais une planche toutes les 2 heures. Ça veut dire une planche par live créa. Easy.
Et en fait, pas du tout. Mais là, c'est le drame. C'est un peu la tristesse. Il va falloir tout finir là. Et ça fait déjà une heure qu'on bêche. On bêche. C'est pas facile. Ah, apparemment, j'ai mon chat. Qui fait des conneries. L'avantage de pas parler, c'est qu'on avance plus vite. Ouais. Ah, bah tiens. Tu peux en parler avec Rum. Des sous pour de l'eau. Oui, des sous. Je vais boire un coup. Avec 5 euros, on fait comme ça. Ah, merci Bou. Bou qui a plus de sous, on le sait, mais qui quand même elle donne. C'est pas vu passer celui de Barocrane aussi. Merci. Merci beaucoup, Barocrane. Oh, il y a Poltage aussi qui donne. Mais c'est un raid de sous-sous. C'est le moment d'ajouter le vôtre à la suite. Merci, Poltage, encore. Encore merci. Petite clochette. Et en vrai, les gens, quand elle fait le son, enfin les bruits là, avec la clochette et tout ça, nous, sur Discord, enfin, moi en tout cas, ça m'éclate les oreilles. Mais c'est parce que je suis venue la mettre juste devant en plus. Je suis sorry. Ah la vache. C'est... Waouh. Désolé. Mais je pense que ça doit être pareil pour les gens en live, hein, parce qu'ils ont le même micro, enfin ils reçoivent le même son de micro. C'est tu te venges, t'as raison. Hein. Moi, je dis, c'est de bonne guerre. Hein. Enfin, moi, je t'ai rien fait, ceci étant dit. Tu te venges, t'as raison, mais bon, si on pouvait éviter de se venger sur ceux qui n'ont rien fait. Non, mais t'as raison, je vais m'en tenir à les faire sous l'autre caméra. C'est parce que je voulais les mettre dans cette caméra-là. Mais en fait, je vais les mettre dans cette caméra-là. Ça sera un peu plus loin du micro. Sorry. En fait, c'est pour ça que les gens ils donnent pas pendant les live créa. Ils veulent surtout pas entendre le son. Vous avez le droit de donner pour ne plus entendre le son, par exemple. C'est fort, mais c'est pour rester éveillé. Oui, voilà, il y a ça aussi. Ouais, il y a le jeu 6 qui prend en plus dans la loterie de maintenant, là. Oui, 6 qui surprend même, je crois. Qui surprend ? C'est pas le même jeu que le 6 qui prend ? C'est le 6 qui prend avec son extension, il me semble, là. Ah, j'ai jamais testé l'extension, pour le coup. Bah voilà, elle est très chouette. Elle surprend. Ça t'évite de pouvoir trop facilement compter les cartes. C'est vrai ? Tu as déjà joué ? Tu peux expliquer un peu ce qu'il y a ? Ouais. C'est un 6 qui prend, avec des cartes spéciales. Merci beaucoup ! Ah, c'était donc ça ! Voilà. Une extension, voilà. Non mais j'ai joué, il y a un petit bail déjà. Mais Linria, si on lui demande, elle pourra nous expliquer. D'accord. C'est genre, tu vois, des cartes qui vont te permettre de poser ta carte pas à ton tour, genre en tout dernier du tour, quel que soit ton chiffre. Ou alors, tu vois, des trucs comme ça. Du coup, même si tu joues à très nombreux et que du coup tu peux compter les cartes, bah tu peux pas forcément anticiper à quel moment les gens vont jouer ce type de carte et ça rééquilibre le jeu, je trouve. C'est un jeu où en gros vous posez des cartes les unes après les autres sur... Enfin, vous avez plusieurs colonnes. Le but c'est de ne pas poser la sixième carte de la colonne, parce que si vous posez la sixième carte de la colonne, vous vous ramassez plein de cartes. Et sur les cartes, il y a des petites têtes de taureau, et à la fin on compte qui a le plus de petites têtes de taureau, ou celui qui arrive à 100, je sais plus. Il a perdu. Voilà, donc c'est un jeu où il ne faut pas perdre. Très efficace en apéro. Il ne faut pas prendre. Et il est très chouette parce que c'est une partie de jeu de bluff. Et une partie de jeu de stratégie quand même un petit peu, mais avec le 6 qui surprend, pour des gens qui jouent très souvent au 6 qui prend, pour moi il est quasi indispensable pour bien jouer, je trouve. Enfin pour pas se lasser en fait. Parce que le 6 qui prend tout seul... Chalamèche qui donne 5 euros, gling gling. Alors pour Chalamèche, pour 5 euros c'est pas le gling gling, c'est la petite main. Mais je la laisse ici parce que si je la mets là, je vais me faire engueuler par mes invités. Merci. C'est trop gentil. C'est 10 euros là. Ça me dérange pas, hein. Tu peux y aller. Hein. Il y a les prix là, hein. C'est écrit. C'est pas comme si c'était écrit. Là, c'est la main. Et là, c'est la cloche. Et là, c'est la machine à musique. Salut, Layli. Oui, Layli. Layli qui a ajouté un colibri vu qu'on on a atteint les 2500 euros pendant le live où elle est. Enfin, pendant le créa où elle était là. Du coup, il y a deux petits colibris en crochet à gagner. Ils sont trop choupis. C'est typiquement le genre de truc qu'on va aller suspendre au-dessus d'un berceau ou dans un mobile ou des trucs comme ça. Ou en porte-clés, mais sur des clés que vous laissez tout le temps au clou. Parce qu'il ne faut pas le mettre dans une poche, sinon vous allez l'abîmer. Ça serait trop dommage. Tac. Bon là, on arrive dans les morceaux un peu tricky du truc. Est-ce que je vous montre Choupette ?
qui vient regarder le game. Alors, ça a l'air un peu tricky par ici. Donc, si je fais ça, comme ça, je plie ça ici. Il faut lubrifier. Mais j'ai déjà lubrifié. Pourquoi ça marche pas ? Je sais pas. Je pense pas que ça soit le lieu pour discuter de ce genre de choses, Miaouette, si je peux me permettre de te répondre. Surtout qu'en plus, on en a déjà discuté très longuement en MP. Oh, bah oui. Puis alors, écoute, Mia, si tu viens chercher des alliés, j'ai envie de te dire, moi, je suis partisane de chacun sa loi sur chacun son stream. Donc voilà. Ouais. Donc et en fait, faire ce genre de choses, ça va juste te donner une mauvaise image sur les autres streams. et que ton ban était loin d'être non justifié. Voilà. Donc voilà, franchement, ne te tracasse pas. Je veux même pas savoir ce qui s'est passé. Non, mais je réponds à Mia. Je veux dire, ça sert à rien de se fatiguer à m'expliquer quoi que ce soit. Ça me concerne pas. Chacun fait sa loi sur son stream. Et alors, venir chercher à ce qu'une autre streameuse ou un autre streameuse fasse la loi sur un stream qui n'est pas le sien, c'est le meilleur moyen pour passer pour... En plus, sur des 24 heures caritatives, quoi. Genre, juste malvenu, quoi. Que c'est injuste. Ben, je m'en fous, en fait. C'est pas mon problème. Et en fait, j'ai envie de te dire... Ça devrait même pas être ton problème non plus. Parce que si tu trouves ça injuste, bah t'as plus besoin d'y aller sur son stream et du coup tu t'en fous d'être ban. Tu vois ce que je veux dire ? On est d'accord. Donc en fait, être en boucle là-dessus, c'est pas bon. Ça va t'énerver et ça renvoie pas une belle image de toi. Alors que t'as l'air d'être quelqu'un de sympa depuis tout à l'heure. T'étais plutôt quelqu'un de cool là sur le live. Donc te tracasse pas. Franchement, si tu trouves qu'un streamer ou une streameuse te banne de façon injuste, bah ça veut dire que t'as rien à faire sur son live. Puis voilà. Puis tout le monde est content en fait. Pas de pelle, parce que quoi, Cross il a une pelle d'habitude. En fait, c'est un modérateur chez moi, il donne des coups de pelle aux gens désagréables. Voilà, c'est sa manière ici, de modérer. De pelle. Il y a Comet qui met des coups d'épée un peu violents parfois, mais pas de coups de pelle. Non, tout le monde est sympa ici. C'est un hommage à Bernie Noël. N'a pas compris. Ouais. Encore un film à mettre dans ta liste, Kia. T'as suivi le live tout à l'heure, c'est ça, quand je disais que j'avais plein de films que j'avais pas vu. Oui. C'est vraiment honteux. Je dois avoir honte. Non. Ça va, ils en ont rajouté un peu quand même. C'est pas si grave. On peut pas avoir tous la même culture, mais quand même, c'est honteux, merde. Il est sympa, ce game. Parce qu'il veut que je le paye. J'ai pas fini de lui payer les overlays. Il peut pas s'embrouiller avec moi aujourd'hui. D'ailleurs, les overlays sont très sympas. Oui, c'est pour ça que je lance une perche. J'ai eu plein de compliments, je te dis, Sgan. Ouais. Oui, tu m'as dit, oui. T'as... Et franchement, moi, la première, je les trouve vraiment, vraiment cool. Il manque pas des alertes. Bah c'est pas ma faute. En fait, c'est non, pas ma faute. Je cherche la merde. On m'a dit à 5 minutes de la fin, à 5 minutes du début, on m'a dit les alertes elles marchent pas, qu'est-ce qu'on fait ? Je dis bah faites ce que vous pouvez. Ok, on peut rien faire. Allez, salut. Vous avez raté le meilleur truc. Ouais. Ça et aussi quand ça a coupé, je suis content aussi de l'écran offline quand ouais, le live est cassé. Heureusement qu'il y en avait un, t'as vu ? J'étais ouais, parce sûr que sinon que on ça l'aurait servirait. Jamais vu, ça aurait été bête. Sûr bah, que je ça les posterai servait. Sur mon Twitter de toute façon. Il y a sur le Twitter de Sgan, il y a les quand il fait du créa, il met les enfin quand il fait des et du sets. Coup Sgan il fait quoi dans la vie et tout? Parce que moi je connais pas Sgan. Donc il a un enfant, OK. Voilà. J'en ai deux. Sa vie c'est du mal à ses enfants. Non, vas-y, une passion comme une autre. Bah, dans la vie je suis graphiste et également à mon compte où je fais du graphisme et dont des overlays et des petites animations, des choses comme ça. Voilà. Tu fais en stream ou pas ? Alors je faisais, mais la vie faisant que j'ai beaucoup de taf et avec les enfants, j'ai mis une grosse pause là-dessus sur tous les projets perso et on verra plus tard. Mais oui, je faisais pas mal de live, hein, il fut à temps, je faisais pas mal de stream. Ouais. Mais voilà, un peu moins de temps pour tout ça. C'était vachement chouette. Merci. Après, y a rien après c'est encore chouette de l'avoir de temps en temps, mais c'est pas pareil que d'avoir des lives réguliers.
Pourquoi il n'y a pas de clé pour moi à chaque fois? Ah, John, je suis désolée. Mais c'est vexant, hein, mais c'est en fait la plateforme est faite comme ça. Comme j'ai pas beaucoup d'abonnés sur Utip, eh bien, j'ai pas droit à beaucoup de pubs. Et comme on spamme le lien depuis 3 jours, bah, il n'y a pas beaucoup de pubs par personne qui visite. Par contre, vous pouvez utiliser Utip, j'en profite pour vous en parler au cas où vous ne le saviez pas. Oh là, j'ai peut-être fait une bêtise. Non. Attendez. Non, c'est quoi, faire une bêtise? Non. Non. Non, on n'y croit pas. ça a l'air bon. Je crois. Parce que là, je suis sur les ailes. Faut pas que je me foire. Parce que si je me foire là, c'est tout le design du truc qui est carré. Ah oui, moi, c'est pas très colibri. Mais bon, c'est encore un truc avec des ailes. C'est déjà pas mal. Pas que chez toi que ça marche. Pas. Non, c'est en fait il, sur la plateforme il manque de fournisseurs de pubs et du coup il limite le nombre de pubs par chaîne et du coup les plus grosses chaînes ont droit à un peu plus de pubs et sinon les autres ont une pub par personne minimum. Pourquoi j'ai ça? Ça m'inquiète beaucoup. Ah non, c'est bon, ça se met là. J'ai la même angoisse qu'avec les meubles Ikea, tu sais, quand il te reste des pièces là à la fin. Tu dis c'est pas normal, d'où viennent-elles? Donc Sgan, il est avec moi depuis un bail, quasiment depuis le tout début que je stream. On s'y est mis en même temps, en fait, au départ. Et il illustrait les lectures créa au tout début. D'ailleurs, si on atteint les 7000 euros, bon, sauf à avoir un Maharaja qui passe là maintenant, ça risque d'être un peu compliqué. Mais il y avait une lecture créa érotique à la clé dans les donation goals. Il faudra attendre une prochaine année. Parce que c'était Sgan qui illustrait, il avait dit oui. Évidemment. Hop, évidemment. Dis ça comme s'il n'y avait absolument aucun doute, aucune raison de dire non. C'est vraiment super de travailler avec des gens comme ça. Ouais, ça peut être Adblock, effectivement, si t'as Adblock, mais c'est aussi vraiment juste qu'ils n'ont pas assez de... En fait, ils n'ont pas assez d'annonceurs qui payent. Et du coup, oui, c'est ça que je voulais dire. Sur Utip, le gros avantage par rapport à d'autres plateformes, c'est que vous pouvez mutualiser vos dons par rapport à vos donateurs, à vos chaînes que vous suivez. C'est-à-dire si vous suivez 2-3 chaînes qui sont toutes sur Utip, eh bien vous pouvez dire à Utip, bah, tu fais un don de 10 euros avec 1 euro à lui, 2 euros à lui, 5 euros à elle, machin et tout. Et en fait, vous payez qu'une seule fois les frais de transaction. Et vos chaînes, enfin les gens que vous soutenez ne payent pas non plus de frais de gestion. Il y a les dons mensuels aussi, un peu. Il y a les dons mensuels, il y a le PayPal, il y a les pubs. Enfin, il y a les abonnements. Je veux dire, ça peut remplacer les abos pour les personnes qui ne veulent pas faire des abonnements, etc. Qui ne veulent pas donner des sous à Amazon. Voilà, ça peut éventuellement être aussi une option intéressante. Quoi. Et c'est plus intéressant que Tipeee ? C'est le même genre de. Pour le streamer, c'est le même genre de charge. C'est pas grand chose, mais pour celui qui te donne, c'est plus intéressant parce que du coup tu peux donner à plusieurs plateformes, enfin à plusieurs streamers ou streameuses en même temps. Plusieurs youtubeurs ou youtubeuses. Tu payes qu'une seule fois les frais de gestion. Salut Aquillusion. T'as pas mal de joueurs de loup-garou là dans ton. Ah ouais? Dans ton chat. Ouais, bah Chalamèche avec Aquillusion et Slide, c'est des gros joueurs de loup-garou. On sort d'une partie. C'est dommage que vous n'ayez pas été là tout à l'heure parce qu'on manquait de joueurs tout à l'heure et de joueuses. Où est-ce que ça va, ça? S'il vous plaît. Ah, attendez. Ici, il faut illustrer. Tac. Je crois qu'on a fait trop de bruit. Il y a Lynria qui dit qu'elle n'a pas pu dormir. Ah, on pourrait chuchoter, on pourrait faire une session ASMR. Par contre, on risque de partir. Non, mais il y a aussi, elle n'a pas pu dormir parce qu'on était trop stressés, en fait. En fait, le truc, c'est que d'habitude, on essaye de dormir la journée de la veille. Enfin, la journée. La veille et la journée. Et là, on n'a pas dormi. Non, mais pas beaucoup, en tout cas. Du coup, c'est pour ça qu'on est plus fatigué que d'autres années. C'est pas grave. Et Choupette a emmerdé le monde. Ah bah alors, en plus. C'était une blague parce que personnellement, le jour où je ferai de l'ASMR, c'est pas demain, quoi. Elle a vomi. Ah bah super. Mon chat, quoi. Best moment. Alors attendez, parce que je vois pas du tout ce que je suis censée faire. Ah mais d'accord, mais vous savez les bien ailes. Jouer, quoi. Là-dedans.
C'est ça qui me manque comme info. Comment on fait pour faire des dons? Tu as le panneau sous le stream et puis là on t'a mis tous les liens normalement. Oui. Donc n'hésite pas. Point d'exclamation don, point d'exclamation utip. Elle a vomi sur ton siège. À la tombola. Ah mais magnifique. Ah ce chat. C'est-à-dire qu'elle a tout l'appart pour vomir. Mais non, elle vomit sur le siège de l'INRIA. Parce que pourquoi pas. Mon chat. Ouais, pourquoi pas. Elle a dû se dire que c'était un endroit réconfortant. C'était nouveau pour elle et tout. Voilà. Mais attends, comment? Comment? Je suis censée faire. Faut remettre de ça là-dedans. Ça va, Rose? Allô? Oui. À lui. Non, mais fun fact. Je viens de voir ce que Sgan était en train de faire. Quoi? Rien. Quoi? Rien. En fait, pour tout te dire, tu veux vraiment savoir ma réflexion? C'est que tout à l'heure, j'étais en train de regarder et je fais, tiens, ça lui ressemble pas. Et là, du coup, j'ai retourné la tête. Au moment où t'as joué l'animation, j'ai fait, ah, si, ça lui ressemble. Là, je le reconnais. Il est arc-en-ciel, au moins, j'espère. De quoi? Le caca de ton colibri. Ah, ce n'est pas un caca, d'accord. Ah, pardon. Non, mais c'est sympa. On dirait, hein. Ah, non, mais c'est parce que c'est pas fini, c'est en cours. D'accord, ok. Je veux pas avoir l'air de dire. Non, mais écoute. Alors, là. Du coup, j'avais une fun fact, c'est qu'en cherchant des infos sur l'assaut, j'y retrouve. Ils ont fait des partenariats avec des établissements scolaires juste pour en entendre, enfin pour en parler quoi. Ouais. Et il y avait du coup 2 ou 3 ans après que je sois sortie du collège, mon collège de quand j'étais. What? Improbable. Ils ont pas fait beaucoup de collèges, hein, mais t'as un article dessus quoi. Comme quoi, le monde est petit. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, je pense que j'en avais déjà entendu parler pour le coup de l'assaut parce que ça me disait vraiment quelque chose. Mais il me semble qu'ils avaient essayé de. Enfin, on avait été contactés par eux parce que j'ai un petit frère qui est handicapé. Ah. Et du coup, voilà, il y avait ce propos-là. Sauf que bon, bah, mon frère n'était pas concerné par les fonctionnalités de l'appli, mais bon, voilà. Ouais. Ah bah, il parlait justement d'accessibilité tout à l'heure, enfin tout à l'heure, hier soir. Ouais, mais c'est plus une question que là, on est sur un très très lourd handicap. Donc de toute façon, même avec des pictogrammes ou quoi, on a essayé plein de techniques et ça ne fonctionne pas. Donc c'est pas grave, c'est juste différent. Quoi. Bah oui. Mais c'est vrai que moi, pour avoir bossé dans le milieu du handicap en ayant été AVS, c'est ce genre d'outil qui peut être intéressant. Quoi. Bah ouais. Après, le problème, c'est que les écoles, elles n'ont pas forcément... C'est ce qu'on disait, les moyens. Et tu te retrouves à financer... Les moyens, et puis le temps et l'énergie, surtout. Bah là, c'est pour ça que c'est eux qui envoient les jeunes, en fait. Ouais. Après, c'est l'heure à dégager pour les enfants. Mais ouais, c'est eux qui envoient les jeunes. Je fais aussi de la création, mais je ne Allez, stream on pas. Ne relâche pas. L'INRIA qui donne 17 euros. Je crois encore aux 5 000 euros, moi. Oh, faites ouais, des dons, cœur noir, cœur noir, cœur noir. Cœur noir, cœur noir, cœur noir. Mais non, ils sont pas du tout noirs, ils sont jaunes. Des bisous, l'INRIA. 17 euros. Alors, 17 euros, cœur. On va faire ça comme ça. Ouais. Oh, et Guérilin qui donne 25 euros. Attends, 5. Et 2. On espérait tous qu'elle oublie, hein. Et merci, Guérilin, pour les 25 euros. Merci, Guérilin, pour les 25 euros. Oui. Non, j'oublie pas. J'ai pas envie de faire des pompes. Ah, tu nous en dois déjà, donc c'est J'en c'est dois bon. Déjà 2, voilà, ça suffit largement. Ok, donc là... Là, ça a l'air pas mal, ces petites ailes. Par contre... T'as jamais le temps de finir. C'est ah oui, c'est parce beaucoup que tu trop ambitieux. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Ok. Waouh. Merde. Pardon. Par contre, j'ai mis l'aile à l'envers. Est-ce qu'on en parle? Est-ce que tu peux l'enlever? Je suis pas sûre. Ah. Tu es ornithophobe, est-ce que c'est un problème? Oui, je pense. Tu regardes le live de Kirel, il y a juste... c'est une licorne, ça passe. Ouais, moi c'est une licorne, moi. Easy. Alors du coup, c'est celle-là qu'il faut mettre. Je lui ai mis l'aile gauche avec le petit droit. Enfin, avec le pilon droit. Et vous êtes plutôt aile ou cuisse? Blanc.
Oui, le montant de la cagnotte à mettre à jour my bed. Je rafraîchis le montant de la cagnotte. Oh, 3192,61 euros. Incroyable. Incroyable. On va faire les 3005. Ça serait bien qu'on fasse les 3005 avant le créneau chanson. Comme ça, le reste, ça sera que du bonus. Ou alors, vous serez pas obligé de payer des chansons, vous voyez. On pourra juste s'écouter des trucs. Si jamais vous avez pas envie de nous entendre chanter, ça marche aussi. Oh, la galère, là. Et c'est bon, tu fonctionnes ou comment ça se passe? Eh, je vous ai dit que j'avais retrouvé les outils. Eh ben non. Pas besoin des outils, moi. Je continue à tout faire à la main, voilà, c'est tout. Il y a Chocopops qui dit qu'il ou elle a fait un don via Utip et il ou elle se demande si ça compte. Oui, ça compte. Oui, ça compte. Hein. Ça compte, c'est juste que c'est plus compliqué pour faire... Enfin, t'auras pas du coup ton... Oui, la déduction d'impôt. Ton déduction d'impôt. Mais bien sûr, ça compte. Mais est-ce que je l'ai encore fait à l'envers? C'est possible, ça? Comment j'ai fait? Mais... Mais... Pourquoi? Pourquoi c'est à l'envers? Ça devrait pas être à l'envers. Non, c'est bon, c'est à l'endroit. C'est une erreur du livre. Pourquoi j'y crois pas? Parce que moi-même, je ne suis pas super convaincue, je dois l'avouer. Non, puis tu rigoles en même temps, tu sais, donc du coup... Je perds en crédibilité. Voilà, t'aurais pas rigolé encore, on se serait dit non, mais c'est bon, elle gère. Creds zéro. À l'aide, je sais pas où regarder. Bah là, je suis dans les ailes en plus. Tiens, regarde, je te mets le cheval. Enfin, c'est une licorne. Sans pattes. T'es pas licornophobe. Sans pattes. Mange pas. Là. Sinon, on peut regarder juste la cagnotte quand on n'aime pas les oiseaux. Ouais. En plus, je pourrais remettre la cam parce qu'en fait, je l'ai mis vers le chat, mais elle est partie. Elle vous a snobé. Est-ce que j'ai éteint mon deuxième écran? La réponse est oui. Tout va bien. Tant que je rééteins pas l'ordi. Ah oui, parce que j'ai quand même fait. T'as éteint l'ordi pendant le stream? Oui. En fait, championne du monde. Bah oui. En fait, c'est vraiment le genre de truc, tu vois, ça m'est arrivé une fois, il y a 2-3 ans. Ça m'est plus arrivé, puis là, ça te réarrive. C'est exactement le genre de truc dont je parlais tout à l'heure. En fait, la caméra de Créa, là, celle-là, elle est posée sur ma tour. J'ai voulu la repositionner. Donc je suis allée la mettre en position comme je voulais. Sauf que du coup, j'ai appuyé sur le bouton de la tour en même temps. Ah oui. Et là, j'ai vu mes écrans s'éteindre. Et j'ai vu que j'entendais plus personne. Et j'ai fait « Eh merde !» Il s'est passé quoi dans ta tête à ce moment-là? Ça a été le grand stress? Ça c'est... Non, j'ai dit « Eh merde !» C'est-à-dire que je m'attends... Enfin, tu sais... Avec l'expérience, tu t'y attends tellement. T'as même plus la surprise, en fait. Tu te connais tellement bien. Tu connais tellement bien tes erreurs. À 3500 euros, j'ai reçu 15 euros de Chocopops. Merci, Chocopops. Des gros bisous. Et à 3500 euros dedans, on fait un giveaway de jeux vidéo. C'est toi qui sais lequel, Linria. Moi, j'ai pas l'info. Et à 4000 euros... On fait l'épisode de Je suis pas ta mère. Ah si, à 3500 euros dedans, je sais ce qui se passe. On finance une année entière d'atelier Colibri. Avant qu'elle te crie dessus, parce qu'elle commence à s'énerver, elle demande à quoi correspond 3500 euros pour l'asso. Pourquoi ouais, on ouais, doit ouais, les atteindre? C'est ça. C'était une perche. Mes excuses. Ça y est, je la vois. Donc, pour l'asso Colibri, animer un atelier Colibri. Pour l'association, pardon, l'enfant à l'hôpital. Animer un atelier Colibri. Qui consiste à faire de la correspondance entre des voyageurs partout dans le monde et une classe attitrée qui suit les aventures de ce voyageur. Ça coûte 3500 euros par an,
par atelier, par classe. Donc, ramener 3500 euros, c'est assuré pour une dizaine d'élèves qu'ils aient toutes les semaines pendant une année entière scolaire une... J'ai oublié Cui-Cui, mais j'ai pas vu de don passer. Non, je l'ai pas entendu non plus. Moi non plus. Pourquoi j'ai pas entendu la boîte à musique? Parce que c'est un don qui est passé sur... Utip. Utip, ouais. Du coup, il s'est pas affiché. Non, il y a pas plein d'oubli. Arrêtez. Arrêtez avec ça. On peut pas dire. Ne nous la mettez pas en PLS, s'il vous plaît. On a besoin d'elle. Pas déjà. Encore un petit peu, faut que je tienne. C'est quand les chansons? Dans 40 minutes. Putain, j'ai... Pardon, je suis vraiment hyper vulgaire quand je suis fatiguée. Je suis désolée, j'arrive plus à retenir mes gros mots. Je disais, zut, dans 40 minutes, il faut que j'ai fini mes deux ailes. Je sais même pas encore où est-ce qu'elles s'accrochent. En 40 minutes. Toi non plus, t'as pas fini dans 40 minutes? Ah non, moi j'ai pas fini dans 40 minutes, non. Ça me Mais c'est pas grave, je filerai la photo du dessin fini à l'INRIA dès que j'aurai fini, puis je continuerai pendant que tu feras de la chanson. Ouais. Et puis, de toute façon, ce dessin-là, il est à gagner dans la tombeau, là. Quoi qu'il arrive. Toi aussi, Rédalise, du coup, ton médaillon? Bon, éventuellement, j'avoue, je ne m'étais pas posé la question, parce que je ne savais pas si j'allais le finir. Mais si vous voulez le mettre on ne lui tombola, met pas la pression. pardon, je pensais. Par contre, j'ai travaillé quand même pour ce live caritatif, parce que j'ai prévu les petits... Attendez, je vais pousser le médaillon. Vas-y, montre-nous. Faut leur dire que c'est intéressant. Ce sont des petits lots qui défilent dans les trucs. Bimax et le petit magnète Mr. Jack. Là. Ils sont prêts. Oui. À être envoyés. Ils sont choupis comme tout. Petits magnètes de frigo. Et alors, il y a un tout petit démon derrière, mais je vous assure que ça... Ça tient quand même bien. Ah ouais, c'est des aimants surpuissants, ils accrochent bien. Mm-hmm. Voilà. Et le médaillon, bah oui, si ça ne donne pas trop de travail à l'INRIA, enfin toute la régie. Bah, en fait, c'est toi qui vas faire les envois, je crois, hein. Elle t'a prévenu? Oui. Donc à partir de là, ça lui fait pas trop de travail. Enfin, nous, on va devoir de toute façon gérer les lots, alors tiens, un de plus, on préfère, hein. Ça fait une personne de plus qui repart avec un lot, qui est contente. D'ailleurs, l'INRIA, moi, j'ai pas réussi à valider, sauvegarder l'ordre des lots, parce que j'ai gagné à une des tombolas, et j'ai pas réussi à valider, sauvegarder l'ordre des lots. Ah oui, il paraît qu'il y a eu des bugs. Voilà, du coup, on va faire, je pense qu'on va reprendre toutes les tombolas. Parce que du coup, c'est ce qu'on me disait tout à l'heure en régie, c'est qu'on va pas faire les tirages des dernières tombolas en live, parce qu'il faut qu'on recontacte tout le monde. Du coup, on va refaire des mails propres à tout le monde et tout. Par contre, faudra bien surveiller votre boîte spam. Okay. Parce que ça arrive régulièrement dans les spams quand on contacte plein de gens comme ça à la fois. 25 mm, ça fait 2 cm et demi. Oh, j'ai tellement le compas dans l'œil, j'étais pile au bon endroit. De toute façon, il n'y a pas des masses de marge. Ça a l'air vachement technique en fait ton truc là. Eh ben, écoute, j'ai eu un peu peur quand j'ai vu la boîte arriver. Parce que sur le truc, je me suis dit, allez, c'est bon, j'ai 6 heures, ça m'occupera. Et pendant les deux dernières heures, je ferai la peinture, tu vois. Tu parles. Effectivement, c'est assez technique. Mais le guide est vraiment très, très, très bien fait. Et je dis pas ça parce qu'il est à gagner et que je veux que vous le preniez. Franchement, enfin, vous m'avez vu, quoi. Même avec 20 heures de sommeil, pas sommeil, en 20 heures de sommeil manquant, on y arrive. Parce que le guide est très très précis. Et même sans les outils, parce que je les avais pas trouvés parce qu'ils sont dans la planche C, parce que ça c'était pas clair, eh bien on y arrive. Par contre, c'est un petit peu minutieux, mais bon, ça va. Ça résiste quand même à mes gros doigts quand je suis fatiguée et tout. Va falloir nous encourager pour la musique parce que ça devient très dur. Ouais, je sais, l'INRIA. Fais le poirier, je te dis, moi ça m'a réussi, hein. Oh, merci. Mais tu vas voir, on va chanter, ça va être trop bien. Les gens, ils vont nous donner des sous pour qu'on s'éclate sur « Le lion est mort ce soir !» Ce soir. Et les hommes... Bon, je commence, hein. Si tu veux, l'INRIA. Parce qu'en fait, on a commencé à réviser vendredi soir quand elle est arrivée. On s'est éclaté pendant une heure et demie à chanter les chansons. On était trop hypés parce qu'on avait trop hâte. Du coup, j'arrive pas à faire mon nœud, par contre. Ça me saoule, tu vois. À part ça, tout va bien, mais ça me saoule. Pourquoi j'y arrive pas ?
Je cherche à faire un nœud, mais comme c'est des fils... En fait, c'est un fil assez chelou, d'ailleurs. C'est un genre d'élastique. Très résistant. Transparent. Mais du coup, ça glisse à mort. Du coup, c'est un peu chiant. Oui. 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 Il y a une playlist, ouais. Monsieur Chaton. Il y a du Imagine Dragon dedans. Tout va bien. Oh, c'est étonnant. Qui est surpris? Pas moi. Pas moi non plus. Oh, j'y arrive pas, ça m'énerve. Je suis depuis 10 minutes là. Linria, tu veux pas venir me faire le petit nœud, s'il te plaît? La meuf qui a absolument aucun scrupule à faire lever sa pote. J'ai un petit nœud que j'arrive pas à faire. Elle se lève en plus. Elle est trop bien. Je t'ai entendu couiner. Comment ça couiner? Bah, j'avoue personne ne couine ici. J'arrive pas à faire le petit nœud. Parce qu'il glisse. Il faut faire un petit nœud pile là où il y a mes doigts. Là. Faut que ça fasse un nœud là. Mais quoi comme nœud? N'importe, un nœud fermé. Qui attache les deux morceaux ensemble. Je vais faire la même de l'autre côté. Est-ce que je suis en train de bugger dessus depuis tout à l'heure? Oui, c'est chiant parce que ça glisse. Tu veux qu'on te voie? Je peux t'afficher si tu veux. Non, ça va aller. Mais attends, il faut que je fasse le poirier, sinon ça compte pas. Hein. C'est le moment de faire des dons, elle regarde pas. Fais-nous un meuh au passage. Je vous rappelle que si elle oublie un don, elle doit faire des pompes. Non, pas moi. Hein. Ah bah, moi, j'ai pas signé pour ça. L'autre qui se désolidarise, c'est instant. Pour venir faire des nœuds à la con, ça, d'accord. Mais... Tiens, j'en ai un deuxième. Je veux bien jouer de la guitare pendant que vous faites du créa. Dans la jungle, terrible jungle, mais le lion est mort ce soir. Non mais en fait tu sais quoi, étant donné qu'il fait 8000 degrés et que j'ai les mains moites comme c'est pas permis. Ah mais t'as raison, ça doit être pour ça. Ouais, il fait vraiment très chaud. Moi j'ai pas trop chaud, je suis juste bien. Mais bon, il y a un don qui est passé et qui a pas été vu apparemment. Non. C'est pas vrai. C'est vrai? Je sais pas. Un nœud fermé, c'est quoi un nœud ouvert? Bah je sais pas, elle me dit tu veux quoi comme nœud? Je lui dis bah un nœud. Bah non, mais excuse-moi. Pas un nœud spécial, sinon je t'aurais demandé un nœud spécial. Putain. Je vais la défoncer, cette licorne. Non, mais je suis contente que tu extériorises quelque chose que je ressens aussi. Ça légitime un petit peu ma colère. Quelque part. Donc ça fait 21h que personne n'a pris de douche. Exactement. Mais alors, si tu savais... Qui c'est qui a mis ça? Bah, c'est un calcul tout bête, c'est Aquillusion qui ne sait calculer. Bah, ouais. Ça fait 21, ça fait même un peu plus que ça parce que j'ai évité d'arriver trempé en sortant de la douche, tu vois. Parce que là, on reçoit pas les mêmes types de dons dans ces cas-là. C'est vrai. Quand on arrive en serviette pour stream, c'est pas les mêmes genres de stream. Pas les mêmes genres de dons. Pas la même ambiance. Pas la même audience, voilà, fallait... La même ambiance, elle a dit. Mais c'est pour les enfants. Oui, mais c'est pareil, ambiance, c'est... Pareil. Elle est gentille, elles sont gentilles, hein. Ouais. Vous êtes drôlement gentilles. En fait, elles sont tolérantes, c'est ça qui est le mot que tu cherches. Oui. Ça, si on m'avait dit un jour qu'on me dirait que j'étais tolérante... Bah quoi? Bah, c'est-à-dire que personnellement, je comprends très bien dans la douleur dans laquelle elle est. Ah oui, oui, évidemment. Du coup, j'ai beaucoup de compassion. Oh, merci. Non mais moi, franchement, ça va. Je suis vraiment fatiguée, mais le gros coup de barre, c'était ce matin, quand il n'y avait vraiment pas beaucoup de dons, que j'ai dû me taper un jeu auquel je comprenais que dalle, mais vraiment que dalle. J'ai lancé le jeu, j'ai commencé à faire le tuto, j'ai fait « je vais pas faire le tuto, je vais pas lire ». Parce qu'en fait, on a vu que le tuto, c'était à lire, c'est du texte à lire, en anglais. J'arrive pas. Ah bah tiens. J'ai envie de jeter son aile par la fenêtre, comment on fait? Bah, je vais la reprendre. Non, tu sais quoi, je fais autre chose. On va la poser là. Je fais une autre technique. En vrai, tant que c'est accroché, je pense qu'on s'en fiche, hein, de comment. Dépêche-toi, parce qu'après, il faut que je tourne la page. Ça va, tu veux quoi, oui, hein. S'emballer en mars? Je crois que je cherche à avoir une claque, à voir si je peux prendre une claque. Tu m'as jamais tapé. Elle est bien, cette claque. Bah, ça va ou quoi? Ça, c'est la fatigue, vous voyez, par exemple.
Tu m'as jamais tapé, là, ça m'inquiète. Non, en fait. Non, c'est, en fait, c'est bien. Hein. Malgré tout ce que je te fais, ma pauvre petite chérie. Mais on n'est pas obligé de taper les gens. Non, mais quand même. T'es vraiment pas. Moi, j'ai une question. Non, ça, c'est pas vrai. Par contre, j'ai beaucoup avec de qualité, moi, avec moi mais pas celle-là. Avec moi aujourd'hui, tu es très patiente. Mais c'est parce qu'elle m'aime très fort. Oui, la question. Est-ce ça que tu l'as faite, du coup, la grèche? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est pour celles et ceux qui ne sauraient pas? Alors, je ne peux pas expliquer ce que c'est pour celles et ceux qui, ne l'ont... qui n'étaient pas là l'année dernière. J'ai envie de dire, tant pis pour eux. Il fallait être là. Est-ce qu'on a vu que le caca du colibri faisait trois fois la taille du colibri? Je crois que c'est un choix artistique. D'accord. C'est de quoi, une ligne éditoriale choisie par Sgan. Elle est où, cette guitare? En fait, l'histoire de la grèche, c'est qu'elle a trouvé preneur. En fait, je l'ai terminée. Et elle a trouvé preneur. Et donc, Max Holcorm, un de mes viewers, est l'heureux propriétaire de l'unique grèche à ce jour. La grèche Ori, dont je suis d'ailleurs relativement plutôt très fière. En fait, je suis même fière de cette grèche. Sinon, je ne l'aurais pas vendue. Et j'en suis super contente. Et donc, si je peux prendre une claque. les grèches, c'est parce qu'ils ne le jouent pas dans le même sens, chat. Les grèches, pour ceux qui se demanderaient, c'est le principe d'une crèche, mais pour les geeks, qui permet d'avoir un petit personnage à mettre, on avait dit combien, le 31 mars ? Le 29 mars. Que je m'en souviens. Le 29 mars, je crois. Non mais parce qu'il faudra quand même qu'on se mette d'accord le jour où on va commencer à le commercialiser à grande échelle, tu comprends ? Vu que tu seras mon associé. Oui. Avec Red et Lace. Ouais, moi j'ai quand même un gros souci parce que j'ai quand même deux semi-remorques dans la cour là. Pleine de grèche. Parce que tu m'avais dit depuis deux ans. Mais oui, tu m'avais dit non, mais c'est bon, on lance la. Bon, moi j'ai commandé la Super Sculpey. Quoi, tiens, ça y est, j'ai tout ma chose. Alors j'ai même au moins une tonne de peinture. J'en fais quoi maintenant? Une piscine. Bon, je te propose de faire une piscine de peinture. Non mais du coup ouais, c'était les grèches, c'était vraiment vraiment quelque chose de sympa à faire et je suis effectivement assez fière, elle était cool. Il y a des vidéos et des photos sur les Twitter respectifs. Et j'en ai même commencé une autre, je peux peut-être vous la trouver. C'est la grèche de Captain Crochet avec Monsieur Mouche avec dans ses bras Captain Crochet déchiqueté par le crocodile. Et donc avec un Captain Crochet. C'est bonne ambiance, hein. Avec un Captain Crochet, mais non, mais pas déchiqueté avec son costume, tu sais, à moitié bouffé, comme s'il venait d'échapper au croco. Et alors c'est un cadavre, non. Voilà. Mais non, pas du tout, en mode dessin animé. Je crois qu'on arrive dans une partie qui est trop compliquée pour moi, il faut que j'assemble les jambes, mais là je ne peux plus. Soyez toi, tu... Ouais, moi je m'installe. Vas-y, installe-toi. Comme chez moi. Pour la peine, je mets la cam. Non. Mais pourquoi? Bah parce que tu t'installes. Tu viens de t'installer. C'est le prix pour être installé, il faut avoir la cam. Je vais te mettre ici. Parce que bon, quand même, depuis ce matin, tout le monde l'a en tête, cette chanson. En fait, depuis hier, parce que vous l'avez chantée. Hier. On a chanté quoi? Dans la jungle. Ah oui. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Et les hommes tranquilles s'endorment, le lion est mort ce soir. Oui, c'est la meilleure partie de la chanson, ça, quand même. Oui. Dans le village, le lion est mort ce soir. Plus de rage, plus de carnage, le lion est mort ce soir. Oui, 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 oh oui, 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 o
le redoutable, le lion est mort ce soir. Viens ma belle, viens ma gazelle, le lion est mort ce soir. Wimboé, Wimboé, oh Wimboé. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Et les hommes tranquilles s'endorment, le lion est mort ce soir. Oui. Ça s'est arrêté d'un coup. Pardon. On est en train de la perdre, c'est magnifique. Comme ça, ça vous donne envie de revenir au créneau d'après. Voilà, c'est un avant-goût. C'est un avant-goût de la suite. J'espère que vous avez chanté avec nous parce que franchement, moi j'ai trop envie de la refaire. Est-ce que quelqu'un peut donner 5 euros pour qu'on la refasse? S'il vous en plaît. En boucle, en fait. Que c'est là. Shaina me pose une question sur la manière dont je tiens mon pinceau. C'est pas du tout conscient, en fait. Je tiens mes stylos et mes pinceaux comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai travaillé en école primaire. En école primaire, on apprend à tenir le stylo comme il faut. Et je me suis rendu compte, à force, du coup, de tenir des stylos et en faisant attention à ma manière de faire, que je le tenais pas du tout de la bonne manière. Et pendant ce temps-là, tu apprenais à d'autres à le faire mieux, c'est ça? C'est ça. Mais du coup, voilà. C'est oui, probablement que je perds. Mais après, le pinceau, je l'utilise pas depuis longtemps, moi. Tu sais, je connais des gens qui font leur zéro à l'envers, alors bon. Bizarre. Oh, ça balance. Eh ben, je te jure. Pas la sensation de perdre en précision. Je te jure que tu peux avoir l'impression que c'est pas possible de faire un zéro à l'envers jusqu'au jour où tu vois quelqu'un faire un zéro à l'envers. Et là, tu dis, ah bah non, il fait à l'envers. Alors que c'est un zéro, tu vois. Du coup, moi, je suis plus perturbée par rien dans la cryptographie des gens. Pardon, je t'ai coupé dans ton explication. Vas-y, vas-y. Ça, c'est signe que je fatigue, ça. Les anecdotes random qui pop toutes seules. C'est Kier qui me coupe. Tu vois. Les anecdotes random qui pop un peu aléatoirement. Mais oui, quelle voix qui est réelle, tu as tous les talents. Écoute, Marie, je tire un petit peu, pour être tout à fait honnête, je tire un petit peu sur la voix, là. C'est pas comme si ça faisait un petit moment que je me suis pas arrêtée de parler. Mais essayez d'imaginer un zéro à l'envers. Je vous jure que au début on voit pas ce que ça peut être. Et en fait, si vous trouvez une vidéo, enfin moi je l'ai vu dans une vidéo de quelqu'un qui faisait un chèque. Mais alors je saurais plus vous dire dans quoi. Et j'ai dit mais putain, mais il fait son zéro à l'envers. Et en fait il y a je sais pas qui était à côté de moi qui dit mais comment ça. Je fais, je te jure, regarde, il fait ses zéros à l'envers. Et on a re-regardé la vidéo et on est tombé d'accord sur le fait qu'il fait ses zéros à l'envers alors que c'est pas possible. Enfin c'est un zéro quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, quand tu vois quelqu'un faire un zéro en partant dans l'autre sens, c'est hyper perturbant. Enfin, je saurais pas expliquer. Il faut le voir pour le croire. J'ai le droit de dire que c'est ton explication, moi, qui m'a retourné le cerveau. T'as mis le cerveau à l'envers? Ouais. J'arrive pas à m'imaginer. Le 8, là, tu fais avec deux ronds en entrée. Moi, je fais en entrée, le 8. Comme un infini. Il dessine dans le sens anti-horaire. Mais en partant d'en bas. C'est ça, je crois. C'est en sens anti-horaire, en partant d'en bas. C'est bizarre. C'est hyper perturbant. Enfin, je te dis, il faut le voir pour se dire, ah bah si, en fait, si c'est possible de faire un zéro à l'envers. Bref. Mais en fait, c'est à l'envers pour nous. On s'en fout. Tant que le zéro, il est lisible, en vrai, on s'en fout, tu vois. C'est juste que c'est le truc qui te marque pas jusqu'au jour où tu dis, il y a un truc qui bug. Pourquoi ça me perturbe le cerveau? Pourquoi mon cerveau ne veut pas reconnaître ce geste? Comme un... C'est un nom, ce truc-là. Je l'ai appris il y a pas très longtemps. Il y a Petit Trou, Sgan, qui te demande quel logiciel tu utilises. Je crois qu'il avait dit qu'il travaillait sur Photoshop. Alors, c'est Adobe Animate, anciennement Flash. Voilà. Voilà. Donc, c'est pas Photoshop. J'ai bien fait de parler. J'ai encore bien fait d'ouvrir ma gueule, moi. Est-ce que on peut dire que j'ai rien compris à comment je suis censée placer ça, là? Elle se fout de ma gueule. Non, j'ai eu l'autre. Bonne initiative de votre part, mais après, on pourra faire une partie sérieuse, s'il vous plaît. Salut à Killusion. Mais on va chanter, pour de vrai sérieusement, hein, après. C'est prévu, c'est dans les horaires.
Mais choisissez tout de suite, hein. On vous a mis la playlist. Moi je l'ai pas. Alors attends. Elle est là. Je suis pas allée vérifier d'ailleurs si elle était à jour. Je l'ai mis à jour. Je crois que Chaka est décédé entre-temps. Chaka n'est plus là. Pourtant c'est lui qui a bossé. Chaka c'est lui qui a fait toute la play... Enfin qui est allé me chercher les paroles en fait. Je lui ai passé commande. Et il est allé chercher les paroles de toutes les chansons que je voulais. Et après je lui ai dit, au fait, vu qu'on a qu'une heure, sur les 70 chansons que je t'ai demandé, on va peut-être en chanter 10. C'est pas grave. Voilà. Mais il l'a quand même fait, parce que c'est quelqu'un de chouette. Oh, à partir de combien de temps vous dites que t'as oublié? Audron... Non, j'ai pas oublié. Audron se donne 5 euros et Dieu la crépite donne 5 euros pour l'enfant à l'hôpital. Plein de jolis colibris. Alors 5 euros pour Audron. Encore une fois. Émoticône riant de toutes ses dents. Émoticône riant de toutes ses dents. À toi aussi. J'adore la synthèse vocale qui lit les... Non mais je suis en train de vous chercher la playlist là, vous êtes pas cool aussi. Quoi? Vous me prenez dans le dos et tout. Ah, ils te font des dons et ils sont pas cool. Non, ah bah si bravo. Vous êtes cool, faites des dons. Vous avez raison, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, j'avais qu'à être attentive. Je me suis emballée. Techniquement, moi j'aurais dit une pompe de plus, hein, mais... Éthiquement, pour des raisons éthiques. Bah oui, c'est ça, ça se fait pas de pas la faire là, hein. Ouais, je vais la faire. Parce que vous en pensez le chat, mais je trouve que ça se fait pas. Elle a oublié. Je vais la faire et j'en ai deux autres à faire aussi, je sais. Attendez, j'essaie juste de rentrer ce truc-là quand même, parce que ça me perturbe si j'arrive pas à le faire. Donc. Ouais, faut actualiser la cagnotte du coup. Oui, ça je peux faire aussi. Bim. 3249. Vous aimez pas les chiffres ronds, je crois, dans ce stream. Il y a un truc avec les chiffres ronds. Faut chanter du guiré, il y en a une, c'est Pissé debout. Et Linria, elle peut jouer la guitare. Il n'y a que guiré que j'ai mis dans la playlist. Ouh, oh, oh. Pissé debout. Tac. Ça, comme ça. Ça, comme ça. Par-dessus. Ah, mais non, c'est pas... Si, c'est là. Non, c'est pas là. D'abord, il y a ça comme ça. Tac. Oh, mais c'est tellement précis, ces petits trucs-là. On force un peu ou pas? Vas-y, rentre. Ok, c'est bon. Et ça au bout, là. Voilà. Est-ce que j'ai mon doré? Ça comme ça. De toute façon, je sais pas pourquoi tu nous demandes si tu forces ou pas. Parce que c'est ce que tu fais depuis le début. Oui. C'est pour me donner bonne conscience. Très exactement pour me donner bonne conscience. Mais du coup, heureusement que j'ai pas trop forcé parce qu'en fait je me suis mis à l'envers encore pour changer. On ressort de là. On te dit. Bon, si vous en voulez une. Né, j'arrive plus à parler. Si vous en voulez pas une trop cassée. Il faudra envisager de la gagner au lot pour la monter vous-même. Parce que là, c'est un peu compliqué. Donc on fait comme ça. On fait comme ça. D'où le petit truc là. Comme ça. Comme ça. Tac. 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 J'ai pas bien compris la liste des chansons, c'est pour voter laquelle vous allez chanter? Non, c'est pour payer laquelle tu veux qu'on chante. Donc ils donnent une chanson eux, ils payent... c'est une des chansons de la liste. Ils choisissent une chanson dans la liste, ils donnent 5 euros et voilà. Du coup ils ont une des chansons de la et liste. Et on fait la chanson, voilà. Ok. Tac, tac, tac... Alors, j'avance pas mal, je suis contente. On sait pas. Moi non, pas du tout. J'avance. Moi je veux pas vous dégoûter, mais je vais pas tarder à avoir fini. Comment elle se la raconte? Mais grave. J'ai commencé ce vendredi aussi. Hein. Moi j'ai commencé hier aussi. Vendredi aussi. Mais c'est pas une raison hein, de se la raconter comme ça. Hein. Franchement, on se la raconte pas quand même. Hein. Ouais, franchement ça se fait pas. Mais pourquoi ça passe pas au travers?
Alors, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça. Tout est une question de contexte. Mais ça devrait passer au travers. En fait, je comprends pas ce que je suis censée faire de ça. Je mets comme ça, genre. En tout cas, c'est chouette de faire quelque chose en collectif. Moi, j'avais vu le 24 heures, notamment celui de l'année dernière. Ouais. Et je trouvais que le créneau créa, c'était vachement inspirant sur l'idée de partager en même temps quatre créas. En plus, quatre créas différents, qui expliquent aussi un peu ce qu'ils font et tout. Moi aussi, j'adore. C'est ça. C'est trop bien. Ça fait partager des univers, des manières de faire, et puis ça, ouais, ça ouvre, quoi. Ah, mais genre, je suis censée clipser quelque chose avec ça. Non, mais c'est mort. Je suis incapable de faire ça ce soir. Je comprends pas. Je vais juste passer. Ouais. Donc, je vais m'arrêter là. Je la finirai peut-être en live. Peut-être que je la finirai dans mon coin, tranquille, dans mon lit, en train de pleurer, je vous dirai. Mais je vais pas la finir ce soir, c'est sûr. J'aurais bien aimé, par contre, mais la fin, là, est un petit peu tricky. Et je comprends plus. Mon cerveau ne veut plus comprendre. Par contre, je tiens à préciser que j'ai découpé donc l'outil réglette. Dont j'avais besoin, mais pas les autres. J'ai totalement oublié de finir par découper les outils. Merci Linria pour la playlist. Ça marche bien. Mais ça marche bien avec Utip. Je n'ai plus de carte de crédit. Ah bah voilà, c'est pour ça. Donc faut payer soit avec Utip en regardant des pubs si vous n'avez pas de sous. Soit avec Utip vous pouvez payer sur PayPal. Et on fera le transfert des dons de la cagnotte Utip. Toute la cagnotte Utip part dans le 24 heures chaque année. Donc ça veut dire que là, dimanche prochain, pas aujourd'hui, dimanche prochain, ça va clôturer le formulaire. Et donc vous pourrez encore donner jusqu'à dimanche prochain. Si jamais vous recevez votre paye par exemple dans la semaine, pensez à revenir donner si vous voulez. Tous les liens resteront sur la page. Donc dimanche prochain, on clôture la page. Je verse tous les sous. Je pense que je le ferai en live, c'est plus cool. Je verse tous les sous. Enfin, je fais un virement de mes sous, enfin de mon compte en banque à la page du montant qu'il y a sur le Utip. Et on reset le Utip pour que, à partir de là, jusqu'à novembre de l'année prochaine, la cagnotte Utip commence à grimper pour préparer le 24 heures de l'année prochaine. Prochaine asso. Voilà, pour la prochaine asso. On sait pas encore laquelle, mais je pense faire une chouette asso, on va trouver. Donc, moi j'ai une idée, je te reparlerai du coup de l'asso. Oui, voilà, je prospecte. De toute façon, je prospecte en général à partir du printemps. Je me laisse jusqu'au printemps pour... Est-ce que je suis la seule à avoir des bugs? Pardon? Ta voix coupe. Est-ce que je suis la seule? Pardon, c'est peut-être parce que j'ai éloigné le micro pour pas que ça sature avec la guitare tout à l'heure et vu qu'on gueulait. Je disais que en général je prospecte à partir du printemps parce que ça prend toujours un petit peu de temps, mais que j'atterris quand même en février, je fais mon live anniversaire et tout, je peux pas tout faire en même temps. Donc au printemps, en général, c'est le moment où je commence à chercher et j'essaye d'être fixée pour mai grand max. Mai, juin, ouais. C'est max. Et donc ça change chaque année, mais comme je suis assez exigeante et que bah il faut que le feeling passe, il faut que l'asso passe. GG, à vous et bon courage pour la fin. Alexandre Nil, merci beaucoup pour tes 25 euros. On fait un petit coup de hochet pour Alexandre Nil. Merci Alexandre. 25 euros. Pardon. C'est le prix du truc. Ah, mais on n'a rien dit, nous. Vous êtes habitué, vous subissez depuis tout à l'heure. On subit, tu sais, en silence. En connaissance de cause en même temps. Ah bien sûr, enfin, bien sûr. Je vous avais pas prévenu pour l'histoire des hochets, mais vous pouviez... Moi j'ai vu ça ce matin. C'est ça. Je me suis préparée du coup, tu sais. T'as eu le temps de te préparer psychologiquement à l'idée. Ça. Bon, il faudra que je range ça proprement pour pas perdre les petites pièces, parce que du coup, c'est peut-être ça qui manque, c'est une vraie boîte. Parce qu'en fait, ce que je vous ai pas montré... C'est que le rangement de ce lot-là, c'est les quatre planches qui servent d'emballage, en fait. Donc c'est cool parce que du coup, il n'y a pas d'emballage. C'est les planches qui sont elles-mêmes imbriquées en puzzle 3D les unes dans les autres. Avec des petites planchettes comme ça, pour faire les côtés. Et ça fait une petite boîte. 12 minutes pour atteindre les 3500. Quoi? Il est déjà... Ah oui, non. J'ai eu peur. Il reste 10 minutes. Ça serait bien qu'on fasse 3500 à la fin du créneau créa, ouais. Franchement, ça serait... Il reste combien? Il reste... On est à 3249. Franchement, c'est faisable.
Il reste 250 euros. Non, pardon, il reste moins de 250 euros. On est à 3274. Et ben, c'est parti. Ouais. Qui a 250 balles de trop. Non, mais c'est ça. Mais peut-être que mon erreur cette année, ça a été de le mettre après le Black Friday. Si vous avez dépensé tous vos sous dans le Black Friday, alors vous saviez que vous aviez le 24 heures. Franchement. C'est la semaine prochaine, il me semble. Non, c'était ce vendredi. C'était... Ah oui. Ouais. J'ai raté mon Dyson, putain. Ah bah, tu peux donner des sous si tu veux. Vu que tu vas pas les dépenser. Bah si, je vais l'acheter quand même. Il y a une info quand même. C'est que tous ceux qui donnent ne serait-ce que 1 euro dans la cagnotte, ils ont 10% de réduction chez Climtech, sauf Chef Gaming. Mais c'est quand même énorme. Climtech, ils nous ont dit, allez, pour tous vos mais donateurs. C'est quoi Climtech? Climtech, c'est du matériel geek. Donc c'est chouette. C'est des clés, des souris, des claviers, des disques durs, des lunettes gaming. Voilà. Et des chaises de gaming. Mais les chaises gaming sont un petit peu... sont hors 10%. Bah ouais, ça serait bien 3500 là. Bah ça fait une classe quoi, c'est important. Normalement c'est vendredi prochain mais on n'est pas à une incohérence près. Mais non, mais quoi? Bah c'est vendredi prochain, on est bien d'accord. Mais après t'as eu beaucoup de choses qui se sont passées là. Puis comme il y a eu le Inktober, si t'as des gens qui justement en créa ou quoi, bah ont dépensé. Moi je sais que j'ai beaucoup de gens de ma commune qui ont dépensé beaucoup d'argent pour acheter des dessins. Mmh. Donc ils sont peut-être un peu plus. Mais c'est bien aussi de soutenir des artistes. Puis t'as Noël. Comme il y a eu un don de 25 euros et qu'il n'y a pas de raison qu'on souffre qu'avec le hockey, je vous remets le piaf un peu creepy. Les chineurs qui veulent que je raconte une petite anecdote mignonne. J'étais pas enseignante, j'étais AVS, je m'occupais d'enfants en situation de handicap. Assistante de vie scolaire, elle accompagnait la scolarité des jeunes. C'est ça, j'étais à la personne super mal rémunérée qui s'assoit à côté de l'enfant. Et dyspraxie, qui a une déficience intellectuelle ou des troubles du comportement et qui essaye de faire en sorte qu'il soit scolarisé à peu près normalement, mais sans formation. C'est beau. C'est l'éducation nationale. Mais ouais, mais après, il y a d'autres moyens de participer, Leïli, et tu fais largement ta part. Et les gens qui offrent des lots, on sait bien que c'est aussi pour compenser autre chose, il n'y a aucun souci. Chacun offre comme il peut. Il y a des gens, ils veulent les lots des créatifs. Il y a les créatifs qui n'ont pas de thunes et qui offrent des lots pour que les autres donnent des sous pour que. Voilà. C'est bon, tout le monde y trouve son compte. Pareil en jeu de société et tout. Ouais, et puis les lots, on les fait avec amour, passion, temps... L'incohérence, c'est les boîtes qui le font à la mauvaise date, sachant que c'était déjà incohérent d'importer Black Friday. Ah ! On est pas rien. Oh bon, ouais, tu sais, je l'aurais pas mal pris. Hein. Parce que effectivement, après 20 heures de live, je ne suis pas à une incohérence près. Je le prends absolument pas personnellement, tout va bien. J'ai lâché l'affaire, hein, je pense que vous avez compris. Mais... voilà, il sera sans doute à gagner fini. Peut-être que je vais vous l'envoyer en pièces détachées, je vais vous en... Genre si vous le gagnez, je vais le peindre, puis je vais vous l'envoyer comme ça en disant « Vas-y, bonne chance pour finir. Il y a les quatre pattes, il y a les deux ailes, allez, bisous. » Je vais voir. Et puis, mais sinon il existe en... Enfin, il est à gagner surtout en version complètement à faire. Ça, c'est vachement plus intéressant. C'est un truc à faire gagner, enfin à faire gagner ou à offrir, quoi. Oh, Chaka qui est de retour. J'avoue, j'ai disparu à un moment. Bah ouais, on... Dis donc, tu viens plus en soirée ? Je suis sûre qu'il a mis le réveil pour le musicodon. Donc. Je pense que oui. J'espère que oui, parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est lui qui s'est tapé une bonne partie du travail pour préparer la musique. Cette année, franchement, j'ai délégué... faudra que je pense à vraiment remercier bien tout le monde. Ça va prendre un peu de temps, mais vous avez l'habitude maintenant. Parce que j'ai délégué une grosse partie de l'orga. Et c'était toujours aussi bien organisé, donc c'est super. Ça veut dire que je vais pouvoir continuer à déléguer. Mais j'ai délégué des créneaux entiers que j'ai pas eu à Orga et où j'ai juste dit vas-y carte blanche tant qu'on a un truc de prêt à telle heure avec telle personne, c'est cool. Et je crois que ça a bien marché parce que moi du coup ça m'a dégagé vachement de trucs. Bah du coup il y a des créneaux qui ont sauté mais c'est comme ça, c'est pas grave. Il y a les aléas du direct et en fait on s'adapte comme toujours. 3500. 25 euros, merci Hibou. Hibou qui rallonge de 25 euros. Qu'est-ce que tu veux Hibou? Tu veux une boîte à meux? Tu veux un hochet ou tu veux un petit coup de berceuse? Je t'avoue que la berceuse, vu qu'on vient de la faire, j'ai pas trop envie. Mais c'est toi qui choisis, c'est toi qui as donné les sous. Et c'est pas le premier don non plus de Hibou, donc encore merci Hibou qui rallonge encore de 25. Je vais actualiser la cagnotte. Je vais faire Hibou on fire, c'est clair.
Merci beaucoup, Hibou. On est à 3299. Il y a forcément quelqu'un d'entre vous qui aime pas les chiffres par rond et qui va mettre 1 euro. Il n'y a même pas besoin de mettre 1 euro, il y a besoin de mettre 39 centimes. Donc en vrai, vous mettez 5 euros et 39 centimes pour être inscrit à la prochaine tombola. Merci beaucoup, Hibou, pour ta générosité. Oui, sans limite. Plein de mains, ça marche, plein de mains. Donc on est à la main à 5 euros, donc pour 25 euros, ça fait 5 mains. On est parti ? Ah, je me suis défoncée. Merci, Bonnie, pour les 5,39€. Ça, c'est pour Hibou. Et ça, c'est pour Bunny. Donc, mauvaise idée de taper sur la partie dure de la main. Voilà, voilà. Merci, Bunny, d'avoir arrondi la somme. Alors, j'actualise le cash. On en est où, maintenant? Voilà, 3305. Ça approche doucement, mais sûrement, des 3005. Il faut encore faire 195 euros. En 5 minutes, ça va être un peu chaud, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait 100 euros qu'il n'a pas encore donné. Mais je pense, je soupçonne que vous êtes tous en train de garder vos euros pour faire des dons, pour demander des chansons. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais faire les deux pompes que je dois. Plus une à Audros, j'ai pas oublié. Vous voyez, je suis honnête, hein. Donc, trois pompes. On est d'accord que c'est les pompes que je peux faire au bout de 24 heures. J'arrive encore à chanter, à compter. Mais oui, j'arrive encore à compter, bien sûr. Trois pompes. Deux plus une à Audros. Et toi, Benny, je t'ai fait hein, une main. Je l'ai rajoutée à la suite de celle de Hibou. Oui, je confirme. Hein ? Oui, moi aussi, je confirme. Ouais, ouais, j'ai des témoins. Il y a un arbitrage vidéo au besoin. Alors, attention. Les pompes. Non mais les pompes. Les pompes. En fait, les pompes, j'en fais une fois par an. Le jour du 24 heures. Trois. Et c'est tout. Dans ma vie, je fais pas de pompes. Je vais me faire buter par mon banquier. Émoticône riant de toutes ces dents. Xoubi. Non mais Xoubi, te mets pas non plus à découvert. Merci Xoubi, c'est énorme, 40 euros. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il reste combien du coup ? Il reste, on approche. Hein. 150 ? Franchement, on approche grave. 155 euros. Peut-être que quelqu'un a 50, quelqu'un a 100, et il y a peut-être quelqu'un qui a 5. Il y a sûrement quelqu'un qui a 5. Vous avez forcément 5 euros. On disait, je suis sûre que tout cela, vous mangez à McDo parfois alors que vous pourriez manger chez vous. Juste parce que vous avez la flemme de manger chez vous. Et un McDo, c'est plus que 5 euros. Donc cette semaine, vous mangez pas à McDo et vous faites à manger chez vous et vous donnez 5 euros de plus dans l'assaut. Attention, il faut que vous ayez à manger chez vous. On parle pas de se ruiner. Ni de s'embrouiller avec son banquier. N'est-ce pas, Xoubi? Sinon, je vais te gronder. Je sais que je suis très menaçante comme ça, mais... Il me reste 50 euros pour finir le mois, c'est large. Ça va, tu reçois ta paye quand? Parce que moi, je reçois ma paye le 25, donc ça va. Mais toi, tu reçois ta paye quand? Si c'est genre le 12, c'est un peu gênant. Après, je sais pas vous, mais moi, par exemple, j'ai ma prime qui arrive en fin de mois, en novembre. J'ai la prime de la fin de l'année qui arrive en novembre, parce que comme ça, les gens peuvent faire leur cadeau de Noël avec la prime. Je trouve que c'est vachement malin. C'est le syndicat qui a négocié ça. En tant qu'auto-entrepreneur, t'as pas trop de primes, quoi. Ouais, bon, on fait ce qu'on peut, hein, voilà, voilà. Non mais Sgan, il nous fait une animation de qualité. Sgan, t'es au courant qu'il y a Marie-Manuelle, donc la déléguée générale de l'enfant à l'hôpital, qui observe ton art. Actuellement, il y a ton colibri qui lui fait les yeux doux. Je suis très flattée. C'est magnifique. Je pense que je... Est-ce que c'est une commande ou est-ce que c'est juste pour nous que tu fais ça? C'est juste pour vous, c'est de l'impro. J'adore faire caca. Et voilà. Est-ce que tu vas lui faire du son? Oui, justement, c'est la voix que je viens de faire par-dessus. Ah, tu viens pas de le dire là, comme ça? Ouais, je vais le faire en direct. J'adore faire caca. Et voilà. Il est grave, ce gars. Pardon. Allez, Paul Teige qui rajoute 25 euros pour une boîte à meumeux. On va appeler Libria. Yes.
Inria qui doit faire une boîte à meux. Non mais ça c'est cool parce que j'actualise la page. Ça monte, ça monte, ça monte. On n'est plus qu'à 130 euros. 130 euros, 130 d'une classe, euros. Avec l'atelier Colibri. T'es quoi. T'es sûr que tu veux le faire ? Bah oui, je suis sûre que je veux le faire. Je t'ai dit, ça m'a requinqué tout à l'heure. Ce matin ? Non mais après, faut que tu chantes. Hein. Ouais, ouais, bah ça m'a requinqué, ça m'a requinqué. Attends, parce que je veux pas faire le meuh et faire ta sécurité en même temps. Et après, faut que je fasse des pompes aussi. Bon, ça fait attends, rire. Attends, j'ai commencé par les quoi, t'as loupé ? J'ai, en fait, je me suis pris une pénalité. Arbitrage vidéo, pénalité, carton rouge, tout ça. Ah, d'accord. La totale à cause de Chicken. C'est elle m'a balancé. Quoi ? Non, j'ai c'est pas bien, fait ça. C'est bien les filles, faut j'ai balancer. Pas fait ça. C'est bien. Tu parles. Chicken, vas-y, je sais pas si je vais continuer à l'inviter parce qu'elle m'enfonce et tout. Je vais l'inviter sur des créneaux. Ouais, mais ça, c'est des vrais potes, tu vois. Je vais l'inviter sur des créneaux où ça craint rien. Genre sur les créneaux lecture créa. Il y en a dans le chat quand ça craint. Je vais l'inviter sur les créneaux lecture créa. On te regarde. Mais oui, ils sont trop beaux, les colibris. Faut que t'en fasses combien ? 3. T'arriveras jamais. Je sais. En fait, je compte faire une petite pause. Ouais, mais alors ça, c'est le mauvais plan, quoi. Il reste 2 heures. Bon. Attends, je me mets plus bas. Ok, on est bon là. Vous la voyez bien, moi, ou pas ? Dis-moi si on me voit, parce que je vais pas aller faire dans le vide. Hein. Ça va, on te voit, je crois. Ouais. Ok. Moi, j'ai un doute, hein. T'es vraiment en train de le faire ? Ouais, regarde, j'enlève mes jambes pour que tu vois. Là, là. Ok, on y va ? Un. Je peux pas descendre plus bas, sinon je remonte pas. C'est parfait, vas-y. 2. Tu m'épates, hein, franchement, je sais pas quoi, t'es capable de faire ça. Après 22 heures de live. En fait, je demande à mes bras avant. Je leur dis c'est bon, on y va, les gars. Et 3. Oh, ah, franchement. Ah là. Franchement, alors là. Bravo, je suis toute seule à applaudir, mais chez vous, vous pouvez applaudir aussi, je me sentirai moins seule. Oh oui, faites des claps dans le chat. Je suis sûre que vous avez des emotes de claps. T'es trop balèze. Et après, tu vas encore faire le poirier ? Et après, je refais le poirier, ouais. Ok. Parce que t'as 2 boîtes à meux à faire. Pourquoi j'ai 2 boîtes à meux à faire ? Bah parce qu'il y en a une là et une tout à l'heure quand tu dormais. Ah, ok. Ça sent l'arnaque, hein, quand tu même. Tu vas pas y échapper. Qui a vérifié ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que j'en ai raté une ? Oui, c'est vrai. T'en as raté plus d'une, mais bon, on est sympa. Ah non, alors là, je te comprends pas du tout. Bon. T'es un mytho, ce gars. On a besoin de la sécurité, s'il vous plaît. Il fait dodo la sécurité. Il faut qu'on lui mette des brassards sécu. Il fait dodo la sécurité, il faut que je fasse les 2. Ah ouais, attends, je te mets le micro là. Tu sais ce qu'on devrait vraiment faire, faire des dons, elle est occupée, allez-y, faites des dons pour qu'elle soit obligée pour faire des pompes. Avec une régie en énorme et des casquettes. Attends. Non. Mon Dieu. Voilà, là tu fais la régisseuse là. Je sais pas s'il te voit. Il te voit pas. Franchement, vous voudriez plus donner des sous pour ça quand même. Hein. Attends, je viens me mettre face à la caméra. Elle est mignonne, non? Ça me va tellement pas du tout. Est-ce que ça lui va bien? Voilà, hein, sur ce, avec ma casquette. C'est une casquette de Mario en plus. Donc là, on part sur 2 boîtes à meux à 25 euros chacune qui ont déjà été payées. Préparer les sous parce que quand on revient, on coupe c'est le live créa et on passe. Sécu plus meux quoi. Ouais, sécu plus meux. C'est chaud. Mais sécu, normalement ça va, je maîtrise non ? Normalement. Tu dis ça ce matin, mais là en attendant il y a eu 5 heures de plus. Mais facile. Là, par contre, je fais pas sur les couches, je fais sur. Oh, je vais faire un dodo là. Non, non, tu fais pas un dodo. Non, tu fais pas un dodo. Relève-toi, c'est pas fini. Il reste 2 heures là. Et on n'est pas arrivé à 3500. Elle me met des coups de pied. Ça suffit. Ça va, c'est des coups de chaussettes en fait. Bon. Vous voyez bien là au moins ou pas ? Allez, c'est parti. Attention, t'es vas-y. Prête ? Ouais, je suis prête. 1, 2, 3. Ah, mais c'est toi la boîte à meux ? Encore ? Bah oui. Ah, oui, non, j'avais pas compris. Je pensais qu'il y avait une boîte à meux vraiment, tu vois. Je suis un peu déçue. Bah non, c'est elle. Mais voilà. C'est ça qui est mieux. Deux de suite, quoi. Allez, trop facile. Exceptionnel. Ils sont où, là, les 25 euros pour la boîte à meux ? Donnez les sous. Meux. Donnez les sous. Meux. On aurait dit un peu un mouton, quand même, là. On garde j'ai un petit peu raté. Notre voix, parce qu'on j'ai la voix explosée. Mais ça va bien se passer.
Moi, je sens que ça tire un petit peu. Je fais les tweets, le giveaway, j'arrive. J'ai la voix un petit peu fragile. J'ai peut-être tiré un petit peu trop ces derniers temps sur ma voix. Ah bon? Je sens que ça chauffe un petit peu dans ma gorge. Alors, comment on va s'organiser? Parce moi, que... je pense que j'ai terminé. Faudra juste que je... Voilà, ça ressemblerait à ça. Alors, le fond est plus vert hein, sur mon dessin. Quoi? Non, les 40 de Xoubi, je les ai fait. Quoi, il y a... Hein? C'est vrai? Mais non, j'ai fait... je les ai fait en main. Ah non, c'est Hibou que j'ai fait en main. Oh, ok. Tu préfères des pompes ou tu préfères des bruits, Xoubi? J'ai pas eu de jingle. Ok, ok. Tu veux quoi, Xoubi? Je peux faire 15 et 15, 30. Je peux te faire deux petits tours de manivelle et un son de cloche. Nous avons en stock ça. Mais il veut les pompes. Je pense. Mais dans le doute, je propose, tu vois. On sait jamais, on peut rêver. Test micro. Des pompes en faisant du bruit. On t'entend. Ça va pas être possible. T'en as fait deux, il en manque une. Non, les pompes, j'en ai fait trois. Et les boîtes à meux, j'en ai fait deux. Il y en avait deux à faire, des boîtes à meux. C'est pas pareil, on peut pas tout mélanger. Non, mais c'est pas possible. C'est quoi du gainage déjà? Ah, ça va, je peux, je crois. Tu fais la planche, quoi. Je pense que je peux. De toute façon, c'est Xoubi qui a payé. Donc, c'est Xoubi qui choisit. Donc, vous n'avez pas votre mot à dire. Si vous voulez me faire faire des trucs, vous n'avez qu'à payer. On est à 130 euros du, j'adore faire du caca. Montant. Ça me perturbe. Désolé, je... C'est très perturbant. On est à 130 euros du montant. Si vous voulez me faire faire des trucs. Désolé de ce qui sportif, se passe. C'est le moment. J'adore la voilà. Tête du colibri quand même, quand il s'exprime. Allez! Tu serres fort les fesses. Non, mais pas j'adore faire caca! Voilà, ça c'est mieux. Est-ce ça, qu'on... Alors, j'ai une requête. Peut-on faire taire le colibri le temps de mon exercice? Là, il y a des gens qui font des choses sérieuses ici. Il y a des gens qui s'appliquent un petit peu. Non, mais je vais serrer fort mes fesses dans mon pantalon panda, ouais, t'as raison. Alors, qui est-ce qui chronomètre les 20 secondes, là? C'est la régie qui fait ça? Ou je compte? Quoi? Il faut chronométrer 20 secondes. Non, mais je vais vraiment rester allongée par terre, un de ces quatre. Hein. Il va falloir payer pour que je me relève et que je finisse le live. Chronomètre, c'est quoi? 20 secondes? 20 secondes, il a demandé Xoubi. Ça fait quoi, 20 secondes? Ça fait long. Non, mais par rapport en euros. Pour 50 moi, je rush pour essayer de le finir à temps, tu vois. Je dis, okay, j'ai quelques secondes, c'est parti, on continue. Un peu moins d'une 1 euro, une demi-seconde, un peu moins. 1 euro la demi-seconde, j'avoue, c'est cher. Ok, bon, ça va. Mais non, mais bon, ça va. Mais il a donné 50? Oui. Bah, ça va. Ça va, c'est un gros don, 50. T'es prête? Il reste 130 à donner, et après, je vais être en train de chanter, je pourrais pas faire des pompes et des gainages, hein, c'est le moment. Ouais, c'est ça. Si vous voulez la voir faire des pompes et des gainages, c'est maintenant qu'il faut donner. Les poiriers, c'est plus euros. Facile, vous gênez pas sur les poiriers. Hein. Elle aime bien les poiriers. J'y arrive mieux en poirier. Allez, on est parti. C'est toi qui me dis du coup le timing? Bah, j'attends que tu te mettes en position. Bah, vas-y. Tu peux me les dire les secondes, ça va m'aider, je crois. Okay. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. C'est tout? Bah oui, c'est facile. Voilà. Parce que est-ce que t'étais vraiment à plat? T'avais un peu le cul en l'air quand même. Je me suis mis vachement à plat, c'est pour ça que j'ai remonté la tête. Parce que sinon, effectivement, quand j'avais la tête en bas, j'avais le cul en l'air. Et ben voilà. C'est fini. Sur les coudes, le gainage, mais on va accepter, on n'est pas des bêtes. Ah ouais, mais après, moi, je fréquente pas la salle. Hein. Sur les mains, c'est plus dur. Hein. Sur les mains, c'est plus dur, elle dit l'Inria. Moi, je la crois. C'est pas du tout parce que ça m'arrange. Ça change quoi que ça soit sur les coudes, en vrai? Je pense que tu gagnes plus. Tu gagnes plus, oui, musculairement, mais en fatigue. Bah justement, c'est plus difficile. Mmh.
Pas du tout, sur les mains ça fait rien. Ah, j'ai trouvé aussi que c'était facile. Bah, vous avez qu'à redonner et on essaiera sur les coudes si vous voulez. À 1 euro la demi-seconde, pareil. Ça me paraît un bon forfait. Il reste 130 euros à faire. La seconde. Mais grave, la fatigue me rend surpuissante. Je suis surpuissante. Putain, je vais faire tous les bruitages à la bouche. Tu veux des bruitages? Attends, j'ai plein de bruitages. Ah. Est-ce que j'ai le droit de prendre une chaise quand même? Je suis en droit de refuser. T'as le droit de prendre une chaise. J'étais en train de me demander comment est-ce qu'on s'organise. Est-ce que tu préfères être ici ou là? Oh dieu. Là où il y a de la place. Bah du coup c'est quoi le mieux pour toi? Plutôt là. Plutôt vers là, là? Oui. Ok, sur le tabouret. Bah je vais chercher une chaise. Les amis, c'est terminé le sport. GG le chicken. Je finis le dessin. GG. Crois-moi, le chant c'est aussi du sport, mais je ne sais pas encore. Ah bah tu vois, on finit le chant. Là, je ne pourrais pas comme le finir. Pour le change, je ne me suis pas encore trop servi, je me suis juste échauffée. Je pense que c'est cool de l'avoir fini dans le temps du stream et de pas... Surtout qu'en plus, on a commencé avec un peu de retard. Ouais, c'est pour ça que j'ai mordu un peu sur le créneau. De toute façon, j'avais annoncé. Hein. Il y a Marie-Emmanuel et Aïlis qui sont dans le chat pour la clôture tout à l'heure. Mais déjà, d'ailleurs, qui sont déjà dans le chat, je suis surprise. Mais je les avais prévenus, je leur avais dit la clôture, c'est 19h, mais en vrai, je comptais 19h30, 20h. Au revoir Rose. On l'entend derrière ce gars. Ouais, mais vous entend pas, j'ai le casque. Ah bon, tu lui feras un gros bisou de notre part. Un gros bisou de Tata Lair. Ah oui, parce que je m'appelle Tata Lair pour Rose. Ça on était peut-être pas obligé de l'avouer au stream. C'était mais peut-être si, une info pas. Un peu secrète. Ça aurait pu ouais, mériter un donation goal, tu vois. On peut pousser jusqu'à minuit. Oh, pff, allez, on n'est plus à 5 heures près. Hein. Ouf. Et ben merci pour. Il faut plus de 12 heures de stream pour découvrir la face cachée de Kyriel. C'est une autre face de Kyriel. C'est pas terminé, hein. C'est pas terminé. On dit simplement au revoir à Red Sgan Chicken. J'allais dire et Kyriel, mais du coup, on dit au revoir à Red Sgan et Chicken parce que je regardais les noms sur mon overlay. Au revoir. Au revoir. Je vous dis au revoir. Au revoir. Au revoir, Rose. Et puis je mettrai la petite vidéo sur mon Twitter. Ouais. Avec les bruitages ajoutés à la bouche. Ouais. Au revoir. Excusez-moi, mais Rose, elle a le droit de autant de au revoir qu'elle veut. Tant pis c'est si bon, ça nous met en retard. Elle est partie courir dans le salon voir si elle s'entend, je pense. Au revoir, Rose. Bon, allez. Allez, vous abandonne. Bisous en tout cas. Des gros merci. Bisous, merci d'avoir beaucoup. Été là. Merci Sgan d'avoir dépanné. Des gros bisous à ta nana, à ta femme. À ma dryade. À ta dryade. Gros bisous. Gros bisous. À ta petite famille et à ton petit bout aussi. Yes. Ciao, ciao. Bisous à tout le monde. Et salut du coup Red et Chicken, encore merci pour l'accompagnement dans le chat, dans le live, pour les dons de en nature, tout. Bref, vous êtes des chefs. Ah, merci à toi pour l'invite et pour l'organisation surtout. Ouais. Et puis c'était avec plaisir. On n'est pas encore à la clôture donc je vais stopper les remerciements là. Je vous embrasse très fort parce que il faut pas que je pleure avant de chanter sinon ça va pas être possible. Ma santé. Salut. Allez, pour les modos, vite fait pour info, j'ai fait un point d'exclamation chanson, pluriel ou singulier pour la liste des chansons là pour le musical. Ah merde, attends. Il faut que je fasse une transition. Ouais. Je suis fatiguée pour faire des transitions là. Ça va bien se passer. C'est parti.